Jonathan qui ne se laisse pas faire, mais Tom va en profiter. Et donc le dépassement avec la petite touchette à la fin du virage. Il est parti à la faute. Attention. Les fameux nuggets de Simon. Allez, le petit donuts, c'est parti. Bonsoir et bienvenue sur Paddock TV pour la retransmission d'un événement un peu particulier ce soir, puisque nous ne sommes pas mercredi soir, nous sommes vendredi soir, comme vous le voyez, le 27 mars, et ce soir, eh bien, nous sommes en direct depuis le tracé de Charlotte pour un événement organisé en partenariat avec la NASCAR Willen Euro Series. Et pour cet événement, comme d'habitude, eh bien, je suis accompagné de Geoffroy. Salut Geoffroy. Salut Adrien, salut à tous et bienvenue sur le Charlotte Motor Speedway, comme tu le disais, pour une épreuve un peu particulière avec tout plein de monde en piste, Adrien. Exactement. Alors comme vous le voyez, eh bien, actuellement en piste, nous allons avoir pas mal de voitures sur cette course donc qui durera 200 tours. Eh bien, nous verrons les pilotes que vous avez l'habitude de voir le mercredi soir. Nous allons retrouver des Thibaut Leflemme, des Jean-Philippe Chrétien, des Gilles Châtelain, Nicolas Delot, Vincent Bilodel, Cyril Nussbaum, Tony Repussard, etc. On va tous les retrouver. Par contre, en plus, eh bien, nous aurons quelques pilotes de la NASCAR Willen Euro Series. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et les pilotes qui sont présents ce soir, eh bien, il y a Loris Esmans, Alon Day, Giorgi Maggi, Alessandro Brigatti, Ben Créanor, Ulysse Delso, André Castro et Adve Deodar. Alors, vous aurez l'occasion de les apercevoir en piste avec des livrées qui ressemblent très fortement aux livrées qu'ils auront cette année, des numéros également très très proches, et on espère qu'on aura un beau spectacle, Geoffroy, ce soir. Il n'y a pas de raison, tous les ingrédients sont là, sur un ovale d'un mile et demi, je pense qu'on peut avoir une très belle course, et les pilotes des NASCAR Willen Euro Series vont faire bonne figure. On en connaît quelques-uns, on aura le temps d'en reparler durant les 200 tours et de les présenter un petit peu chacun pour que ceux qui ne les connaissent pas apprennent et les découvrent un petit peu plus. Et donc bah, ce sera sans en être un, hein, parce que c'est en toute amitié que ça a été fait, mais ce sera un petit peu un match entre les pilotes IFRN et les pilotes NASCAR Willen Euro Series, même si à la fin je pense que tout le monde sera content. Oui, le principe, c'est simplement ici de prendre du plaisir, de s'amuser, de faire rouler des voitures et de courir. Il n'y aura pas spécialement hein, de petites compétitions particulières. L'objectif est 100% plaisir. Alors peut-être quelque chose qu'on peut préciser, qui pourrait avoir son importance pendant la course pour la quasi-totalité d'entre eux, eh bien, c'est leur première déjà sur un ovale d'un mile et demi. Et c'est également leur première, tout simplement, pour certains, sur une course virtuelle. Ils n'ont jamais pratiqué avant en course. Donc pour beaucoup de pilotes, beaucoup de nouveautés. Il faudra donc, il leur faudra peut-être donc un petit peu de temps pour s'adapter, mais on compte sur leur talent pour arriver à exploiter très rapidement ces autos. Oui, on va rappeler une petite règle de la NASCAR, Adrien, si tu le veux bien. Allons-y. C'est que les séries dites régionales et locales, donc tout ce qui ne sont pas les séries nationales, donc tout excepté la Cup, la Xfinity et la Truck, on ne peut pas aller au-delà des ovales d'un mile
exception faite du New Hampshire Motor Speedway qui fait 1 mile 0,58, qui est utilisé notamment sur la partie est des États-Unis dans les séries régionales. Mais voilà, donc du coup, le Charlotte Motor Speedway, c'est 1,5 mile, donc c'est une grande découverte pour tous les pilotes des séries de développement qui, comme tu le disais, ne roulent pas forcément sur e-racing. Alors, il nous reste 5 minutes à peu près avant la fin de cette séance d'essai. Comment va se passer la soirée ? Eh bien, elle va se passer de la même manière qu'elle se passe le mercredi, c'est-à-dire que nous avons une séance d'essai pendant encore 4 minutes 55. Ensuite, on aura une petite séance de qualification. Et à l'issue de cette séance de qualification, nous irons en course pour 200 tours avec ce soir 36, 37, 38 voitures. Nous avons 38 voitures. Il y en avait 36 il y a quelques instants, mais désormais, ils sont 38. La grille risque donc d'être pleine. Encore deux concurrents et nous serons au complet. Si on a plus que deux concurrents, on aura un éliminé. Ça m'étonnerait qu'on ait on ait 41 pilotes. Mais voilà, si la règle est appliquée, on rappelle que les grilles de départ, c'est maximum 40 pilotes. Alors pour l'instant, tout le monde s'échauffe, tout le monde prend ses marques. Je pense que le challenge va être aussi relevé pour les pilotes que l'on a l'habitude de voir le mercredi soir, parce que pour beaucoup, c'est pas leur première course ensemble, ça fait plusieurs saisons qu'ils roulent, donc ils se connaissent. Ils connaissent plus ou moins les réactions de chacun, le comportement, donc ils vont savoir, entre guillemets, comment vont réagir les concurrents. Par contre, là, il va y avoir des pilotes qu'ils ne connaissent pas du tout, qui en plus ont des habitudes, du fait d'être derrière un volant, mais dans une voiture qu'ils peuvent toucher physiquement. Donc ils ont peut-être quelques habitudes, quelques réflexes, que n'ont peut-être pas des pilotes virtuels. Ils sont peut-être différents, et du coup, il va falloir peut-être un peu de temps, quelques tours, pour arriver à cohabiter. On pourrait, je pense, bien mettre à profit en début de course cette phase d'observation qu'on voit souvent sur les courses sur ovale et vraiment avoir un money time assez intense à la fin. Alors, il y a quelques pilotes également que l'on voit d'habitude, mais qui n'auront pas les mêmes couleurs. On a eu la numéro 8 là à l'instant, la voiture occupée par Anthony Raphaël. Qui ce soir ne sera pas sous la déco qu'il a habituellement, puisqu'il aura les couleurs de l'Occitanie Racing, tout comme la numéro 50 de Thibaut Leflemme, que l'on a vu un peu plus tôt. Voici la numéro 50, où est-elle ? Elle est là. Et on va bientôt arriver à la fin de cette séance d'essai libre. Et on va donc pouvoir passer sur la séance de qualification. Alors en virtuel, il faut savoir que la séance de qualification est un peu particulière, puisqu'ils sont à la fois tous en même temps en piste, mais aucun ne peut voir un autre concurrent. C'est comme ils sont ensemble, mais ils sont seuls. Exactement. C'est comme si on avait autant de pilotes qu'il y a de circuits, et ils sont les uns à côté des autres, et ils tournent tous ensemble en parallèle. Ça leur permet de faire un tour vraiment optimisé, de gagner du temps surtout, pour pas les faire passer un par un, et ils ont vraiment un tour clair pour pouvoir faire leur qualification, et ensuite, on les remet tous sur le même circuit, et là, on va se retrouver avec la grille de départ. Alors donc voilà, on arrive au début de cette IFRN Challenge NASCAR Whelen Euro Series.
sur le tracé de Charlotte. Un tracé de Charlotte, donc, sur lequel on vient régulièrement, je crois. Oui, clairement, ça fait partie des pistes très utilisées dans le monde de la NASCAR. Et bien évidemment, en US Racing et FRN Cup Series, on y vient tous les ans. Qui plus est, les ovales d'un mile et demi, c'est vraiment aujourd'hui ce qu'on voit le plus, ce qui est le plus commun dans les séries nationales de la NASCAR. Et il ne faut pas oublier que Charlotte, c'est le centre névralgique de la NASCAR. On y a la très grande majorité des écuries qui sont à un jet de pierre ou deux de cet ovale. On a le Hall of Fame de la NASCAR, on a le bureau de la NASCAR avec notamment le R&D. C'est vraiment la partie la plus... Comment ? Qui regroupe le plus d'écuries et le plus de monde aux États-Unis. Donc Charlotte, voilà, capitale de la NASCAR, très clairement. Allez, la qualification démarre. Et l'un des premiers à sortir en piste, eh bien, c'est Cyril Nussbaum, le double champion au titre de l'US Racing et FRN Cup Series. Il va falloir attendre un petit peu. Alors, on pourra pas en voir beaucoup, hein, des pilotes, hein, puisqu'ils sont presque 40 en parallèle. Donc, on va pouvoir en suivre un, deux peut-être, mais guère beaucoup plus. Ils sont au moins la moitié là à être sortis. Cyril qui va boucler un tour chrono. Et c'est fait. C'est Cyril qui établit d'ailleurs le temps de référence en 30.313. Juste devant Ben Connor qui s'est fait passer par Pierre Verne, deuxième. 260.3 de moyenne, on est à 30.365. Michael Cadeau est troisième à 30.533. Nicolas Delo quatrième pour le moment. Gilles Châtelain. Ah, Ulysse Delceau qui s'est inséré en quatrième position. Troisième, la numéro 24. Alors le nom ne vous dit peut-être rien, mais eh bien. C'est la numéro 024 aux couleurs Monster, et bien ça sera la voiture d'Alon Day. Pour ceux qui suivent la NASCAR Wheel & Euro Series, je suis sûr que ce nom vous parle. Multiple champion de la discipline. Et Alon qui fait la pole. Et bien ça va annoncer la couleur, ce qui est plutôt sympa. André Castro qui se fait shipper la quatrième place pour quelques centièmes. Non, il la récupère. Il prend même la troisième place en 30.344. Alors, on demande s'il y a Guillaume de Flandre. Je ne crois pas. Non, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Il n'est pas là. Alors, au niveau de la séance de qualification, qui a-t-on en piste ? Kevin Pommier. Il y a Vincent Bilodel aussi qui est en piste. Vincent qui vient de Bilodel. Rentrer son second tour. Il est en 3777. Il est 28e pour l'instant. On a Yoann Margot qui a claqué le 24e temps. Il coupe son effort, Vincent, je crois. Il y a eu un survirage. Et bien, Jean-Philippe Chrétien, si tu préfères. Exactement. On est passé dessus. Allez, pour Jean-Philippe Chrétien, on est dans le premier tour chrono.
petit tour en caméra gyroscopique. Allez, et le chrono pour Jean-Philippe Chrétien, c'est un 30-541. Et ça le placera 20e. Et j'ai vu Cyril qui est ressorti des stands. Il aimerait bien aller chercher la pole position. Il est devancé 17 millième pour l'instant par Alan Day. Et on a aussi Tony Repussard qui est en piste. Alors c'est dépêché, il reste 10 secondes. Ouais, et il ne pourra pas refaire un tour. Et je pense que la pole position ne sera pas pour lui. Et non, c'est terminé. Pas, mais... Exactement. Pole position pour Alan Day. Alors, le temps que les pilotes puissent prendre place sur la grille de départ, eh bien on va tout simplement découvrir cette fameuse grille avec donc Alan Day en pole position aux côtés du double champion en titre de la série. Gary Dumont et André Castro seront sur la deuxième ligne. C'est bien parce que sur ces deux premières lignes, on retrouve à chaque fois un pilote virtuel et un pilote de la NASCAR Whelen Euro Series. Ensuite, Pierre Vierne et Kevin Pommier sur la troisième ligne, quatrième ligne, Jean-Baptiste Charles, Jacques Récan. Ils seront suivis sur la 9e et 10e place par Jonathan Berthier et Ben Créanor. Ulysse Delso et Gilles Châtelain se partageront la 6e ligne. 7e ligne pour Joël Van Pratt et Yacine Barnac. La 48 de Mickaël Cadeau sera aux côtés de la 92 de Benjamin Truflandier. En 8e ligne, 19 et 20e place pour Antoine Marc et Thibaut Leflemme. Nicolas Delo est sur la 10e ligne. Jean-Philippe Chrétien est à côté de lui. Vincent Hamet est devant Advait Deohar sur la 11e ligne. Et 12e ligne pour Loris Esman. Et par contre, je n'ai pas la suite. Si tu peux nous la donner, s'il te plaît. Oui, Alessandro Brigatti qui referme la 12e ligne, suivi de Yann Buisson et Johan Margot, pardon. Julien Lavoine et Patrice Langlais sur la 14e ligne. Giorgio Maggi et Vincent Bilodel, il faut le faire en français, sur la 15e ligne. Et non pas de temps, Tony Repussard, Anthony Raphaël, Francis De Chilly, Éric Laval, qui a eu des petits soucis de connexion, tiens, tout comme André Castro d'ailleurs. Cédric Coléo, Pascal Dupas, Bruno Aguirre et Rodolphe Delage. Donc voilà pour les 37 pilotes. Allez, on voit les pilotes qui commencent à prendre place sur la piste. Et on va lâcher les fauves, comme d'habitude, pour 200 tours. Alors, et si on se lançait dans les pronostics, Geoffroy ? Oui. Qui verrais-tu ? Qui verrais-tu gagner ? Ah, l'un des deux pilotes de la première ligne, pour moi. Ce sont clairement les deux favoris, à mon sens. Même si, Cyril n'a jamais gagné à Charlotte. En Cup. Même si Cyril n'a jamais gagné à Charlotte en Cup, c'est vrai. C'est vrai. Alors du coup, tu ne réponds pas à la question ? Il en faut un. Alan Nussbaum, ça te va ? Alan Nussbaum, ça marche pas. Bon allez, on va dire Alan Day, histoire de varier et de faire honneur aux pilotes NASCAR Whelen Euro Series qui sont présents ce soir. Alan Day pour toi. Ouais. Eh bien moi, je vais miser sur l'expérience, mais d'un ancien vainqueur ici à Charlotte. Et je miserai sur la 51 de Gary Dumont. Ouais. Et c'est parti! Drapeau vert! Et on est parti super tôt! Et tu
parlait de Gary Dumont, alors que ça va quand même un petit peu sous la double ligne blanche pour doubler, mais on a le droit, Charlotte, on le rappelle. Gary Dumont, c'est tout simplement le pilote en activité le plus victorieux sur le Charlotte Motor Speedway en Cup, avec 3 victoires. Ouais, il a gagné en 2018, en 2012 et 2011. Allez, on voit derrière là que ça se... Ça se tasse un peu, mais il est parti très très fort, Alonde. Allez, il est poursuivi par Cyril Nussbaum, Kevin Pommier. Et lui, en troisième place. Gary Dumont, quatrième. Jacques Récan occupe la cinquième place. Et Pierre Verne. Et sixième, le peloton s'est étiré très très vite. Derrière Pierre Verne, on voit une petite cassure avec Ben Cranor en septième place. Jean-Baptiste Charles. Et huitième, derrière, on est sur deux lignes avec Yacine Barnac et Gilles Châtelain. Jonathan Berthier. Et onzième avec Benjamin Truffelandier juste derrière lui. On va retrouver Ulysse Delceau en 13e position. Et derrière Ulysse Delceau, on va retrouver Mickaël Cadeau. Mickaël Cadeau qui, avec le numéro 48, qui est donc 14e. On va retrouver la 50 aux couleurs de l'Occitanie. C'est la voiture qu'il utilisait l'an dernier en Innovax Access Studio. 16e, Joël Van Praat. Il devance Antoine Marc pour 3 petits dixièmes. Antoine Marc, par contre, qui est sous la pression de Jean-Philippe Chrétien. Nicolas Delo est son numéro 14 et 19e devant Loris Esemans. Et on a un pilote là qui a levé un peu le pied. Je crois que c'est la numéro 22 d'André Castro qui va être la peur à un tour. Ben André Castro, en fait, il est parti des stands. Il a eu un problème de connexion. Donc il est arrivé un peu tard. Il est parti avec quelques tours de retard. Vincent Hamet est en 21e place devant Advait Deodar, le numéro 031, et qui devance le numéro 08, Alessandro Brigatti. Patrice Langlais avec le numéro 90, et derrière, il a derrière lui Yann Buisson avec son numéro 3, Gregorio Maggi. Et 26e, Tony Repussard, et 27e, attention à Tony. Il est loin dans le peloton, on sait qu'il sait faire des très belles remontées, il nous l'a montré il y a 10 jours sur le tracé d'Atlanta. Anthony Raphaël avec le numéro 8 aux couleurs de l'Occitanie aujourd'hui également. Il est 28e devant Vincent Bilodel. Cédric Colléo avec son numéro 7 est en 30e place. Bruno Aguirre, numéro 65 et 31e. La voiture jaune de Francis de Chilly, 32e devant celle de Johan Margot. Pascal Dupin met le 75 en 34e place. 35e, on va retrouver Julien Alavoine. La 2 de Rodolphe Delage. Et 35e. Ah, on a la 031 qui a frotté. On passe par la voie des stands pour Advait. Éric Laval est 37e et André Castro est 38e. On a un problème pour Pierre Verne. Problème pour Pierre Verne qui a été déconnecté. Oui. Enfin, il s'est déconnecté. Il s'est déconnecté tout seul. Ah oui, il s'est déconnecté. Je vais essayer de remonter et voir ce qui lui serait arrivé.
Ah, il tape le mur ensuite une touchette avec, avec un adversaire, avec Ben Créanor. Eh, c'est probablement pour ça que les deux voitures sont rentrées au stand. Non, en fait, je l'ai eu dans le mur et après, au revoir. Eh ben, il a peut-être été, il a peut-être eu trop d'incidents en fait, tout simplement. Il a été touché à trop de reprises. Par contre, Ben Créanor, je le vois plus sur la piste. Alors, Ben Créanor, j'essaie de le retrouver. Si, si, il est en piste. Il est où? Il est sixième. Non, c'est la 31 que j'avais tout à l'heure. C'est la 31, c'était Advait Deodar, oui, qui était au stand. C'était la 031. Alors, est-ce que la numéro 33 est abîmée? Apparemment non. Et sur le flanc droit, un petit peu. L'avant droit est légèrement abîmé pour la numéro 33. Et devant, ça se resserre. Nous avons 14 tours déjà effectués. Nous avons 34 pilotes dans le tour du leader. Le pilote en position de Lucky Dog est Eric Laval avec un tour de retard. Et ils sont 3 à avoir plus d'un tour de retard. Advait Deodar qui reprend la piste à l'instant. Pierre Verne qui a abandonné et André Castro qui est parti avec 6 tours de retard. Drapeau jaune. Drapeau jaune. Alors est-ce qu'on va savoir d'où ça vient? Est-ce qu'on saurait voir d'où ça vient? Allez, la safety car qui rentre en piste. Bon. Derrière là, on a pas mal de voitures qui sont abîmées. On va essayer de voir si c'est passé. Je n'arrive pas à savoir. Ouais, c'est entre Mickaël Cadeau, Ulysse Delso, Antoine Marc, Vincent May a eu de la chance, Jean-Philippe Chrétien. Oui, là il y a eu un très très gros contact, on va essayer de voir ce qui s'est passé. La 10, la 48, la 22. Gilles Chaplin a raté son entrée dans les... Enfin, son emplacement même. Et c'est la 22, c'est André Castro en fait qui vient toucher légèrement l'arrière de la numéro 10. Regardez, on est à bord de la voiture d'André Castro. Là il passe, il est très bien ressorti du T2. Et ici il place le capot à l'intérieur et le léger contact qui va faire, voilà ici hop. Et après, c'est fini pour la numéro 10. Et le très très gros choc.
depuis la voiture d'Antoine Marc. Et Antoine qui est surpris et il prend l'extérieur et malheureusement il ne peut rien faire à part emplafonner la numéro 10. Et on a pas mal de voitures impliquées dans cet incident. Hein. Au stand, la numéro 77 d'Antoine Marc, la numéro 10 Ulysse Delso. Éric Laval est dans les stands également avec une voiture très amochée. Qui a-t-on également au stand? On a la 55. Éric Laval repart. Ulysse Delso également. Alors, on a la 55 de Joël Van Pratt, ouais. La 7 de Cédric Colléo, mais qui semble pas endommagée, donc je pense que c'est autre chose pour Cédric. Ulysse Delso, il va pas avoir de problème de refroidissement moteur quand tu vois l'avant de la voiture, malheureusement. Ça a tellement tapé qu'il n'y a plus de carrosserie à l'avant. Il lui manque tout l'avant, ouais. Okay. Il lui manque tout l'avant à la numéro 10. L'arrière a été endommagé. Ah, ça va rouler beaucoup moins vite, je pense. On va voir comment il va s'en sortir. Après, on n'est pas sur un super speedway, donc l'aéro a un peu moins d'importance. Ça va quand même jouer. Mais ça va quand même jouer un peu. Ouais. Ouais. Par contre, devant, et c'est ça qu'il faut regarder. Alors là, on voit la 22 qui est en position de Lucky Dog. Pas de Lucky Dog, de faire le wave around, pardon. Elle va pouvoir récupérer un tour. Allez, c'est fait. Et donc, Calonde sur la 024 qui mène la danse devant la 99 de Cyril Loosebaum. Kevin Pommier, Garry Dumont 3 et 4, Jacques Récan, Jean-Baptiste Charles 5 et 6, Jonathan Berthier et Benjamin Truflandier 7 et 8, Mickaël Cadeau, Thibault Leflemme pour compléter le top 10. Et ensuite on va retrouver la 050. Alors, est-ce que la 050 est à l'intérieur ou est-ce qu'elle est à l'extérieur? Elle est à l'extérieur, donc elle est 11e. Non, extérieur, elle est 12e. Extérieur, c'est les places paires. Donc, attends, extérieur, elle est place paires. Donc, elle est 9e, si c'est ça. Non, place paires, 10e. 10e, pardon. Ah, c'est des chiffres, hein, impair. C'est pas grave. On te pardonnera cet impair. Bah non, c'est pair, t'as dit. Allez, alors du coup, je pense qu'on a eu un loupé là dans la procédure de restart parce qu'on refait un tour en plus. On a eu le message de la direction de course là, hein, qui nous l'a dit dans le casque. Je ne sais pas quelle a été la raison. Mais il y a eu un loupé qui, du coup, impose de refaire un tour en plus. Sous drapeau vert. Sous drapeau jaune. Et non pas sous drapeau vert. Tony Repussard est déjà remonté en 14e place. Hein.
13ème place, il est à l'intérieur. Allez, le restart. Et Alon qui repart très tôt à chaque fois. Hein. Dès que la voiture de sécurité s'efface, il met le pied dedans. Hein. Et ça lui permet à chaque fois de reprendre quand même pas mal d'avance. Il arrive à coller une cinquantaine de mètres d'avance au reste du peloton. Par contre, derrière là, c'est Cyril qui a failli se faire manger la deuxième place. Kevin Pommier, troisième. Gary Dumont, quatrième. Jacques Lacan, Benjamin Truffandier. Qui est à la lutte avec Mickaël Cadeau. Loris Ezemans. 12e. Allez, on a une ligne. On a quelques pilotes qui restent vraiment à la corde et d'autres qui montent sur le milieu de la piste. Je pense qu'on devrait rapidement voir deux trajectoires et peut-être pouvoir avoir en fin de course des passages à d'autres fronts. Parce que j'ai l'impression que la piste et l'auto là, permettent de faire pas mal de choses. On n'est pas sur du mono trajectoire ce soir. De toute façon, sur les ovales d'un mile et demi, on l'est très rarement. La question, c'est ouais. Combien de temps, en fait c'est, voilà, c'est combien de temps, et avec ce nouveau... Comment le nouveau pneumatique qui a été implémenté sur e-racing ces derniers temps, comment est-ce que ça tient et comment est-ce que ça fait évoluer les voitures par rapport à précédemment, quoi. Donc si les pilotes ne se sentent pas à l'extérieur, on va avoir très peu de pilotes sur la trajectoire la plus proche du mur. Alors, on a fait un premier run de 18 tours sous verre. Et je pense que c'est la période où on commence à avoir les pneus qui fatiguent. On commence à ressentir un peu plus l'usure. Là, on voit les chronos sont en 30.6, 30.5. Hein. On a 8-10 tours dans les pneus. Il faudra revoir les chronos d'ici une dizaine de tours, voir un petit peu la performance des voitures. Cyril, en tout cas, qui arrive à bien recoller. Et puis on a quand même une petite chose qui a son importance, Adrien. La course est partie de jour, elle va se terminer de nuit. On est en plein dans la transition jour-nuit, qui est aussi une des variables de cette course qui va être à gérer pour l'ensemble du peloton. La luminosité, ouais, alors on va voir si les pilotes de la NASCAR Whelen Euro Series auront une difficulté à ce niveau-là. La luminosité dans un jeu et la luminosité du jour, de la lumière, ça peut-être être différent. En tout cas, visiblement, Alon ne semble pas très perturbé. Ben Craner non plus. Là, il est en train de remonter sur... Jonathan Berthier. Et Jonathan qui a ouvert la porte. Hein. Il n'a pas trop cherché à résister. C'est Mickaël Cadeau qui va pouvoir en profiter peut-être. Mickaël Cadeau qui arrive Mac 2 quand même. Hein. Parti à la faute. Vincent Hamet, on l'a vu en caméra intérieure. Le petit drift. Que s'est-il passé? Pour moi, il y a eu touchette. Il y a eu touchette avec la numéro 8. C'est bien ce qui me semblait. Vitesse réelle. Et par contre,
Alon et Cyril qui se retrouvent roue dans roue. Cyril arrive à revenir malgré les départs canons de. Enfin les restarts canons de. D'Alon. On va voir comment ça se passe sur le long run s'il arrive à trouver l'ouverture. On n'a jamais eu plus de 3 dixièmes d'écart entre les deux premiers de la course là, depuis le drapeau vert. Ouais, c'est relativement serré. Alors on peut peut-être faire le tour des différents pilotes de la NASCAR Women Euro Series qui nous ont rejoints pour parler un petit peu d'eux pour les pilotes et les personnes qui nous regardent ce soir et qui ne suivent peut-être pas la NASCAR Women Euro Series. On peut commencer par le premier de la course. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'Alon Day, Geoffroy ? Effectivement, Alon Day, donc, qui est israélien, pour ceux qui ne le sauraient pas. Il a 29 ans et c'est tout simplement le premier israélien de l'histoire à avoir remporté un titre de champion en NASCAR, puisqu'il a été champion NASCAR Women Euro Series en 2017 et 2018. Ajouté à ça, qui fait maintenant partie aussi du fameux je crois que c'est NASCAR Next, c'est ça, du programme NASCAR Next, donc qui est un programme NASCAR qui met en avant les pilotes du futur que la NASCAR aimerait bien retrouver dans ses séries nationales américaines, si évidemment américaines, si bien évidemment le budget le permet. On a eu de nombreux pilotes qui sont actuellement dans les séries nationales NASCAR qui sont passés par ce programme NASCAR Next. On peut citer au premier rang desquels Ryan Blaney, Eric Jones, Chase Elliott. Voilà pour les noms connus. Alon Day, qui est double champion de NASCAR Women Euro Series, faire partie de cette liste de pilotes, c'est exceptionnel et ça montre le niveau tant du pilote que de la série européenne. Donc depuis cette année, il est sponsorisé par Monster Energy. Il est dans une équipe italienne qui s'appelle la Cal Racing. Et qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre sur ce pilote ? Alors je crois qu'il a changé d'écurie cette année. Hein. Il est chez PK Car Sport, je crois. Pardon, oui, il était chez Cal et il est passé chez PK Car Sport. Ouais. Il était dans l'équipe italienne, il est passé dans une équipe belge. Et PK Car Sport, pour ceux qui connaissent, qui suivent les courses routières, c'est pas n'importe qui, drapeau jaune. Drapeau jaune, que se passe-t-il ? On va revenir sur Alon plus tard. Et c'est Ben Cranor qui est allé percuter le mur. Que s'est-il passé pour la numéro 33 ? Donc en attendant de voir ce qui s'est passé très rapidement, PK Car Sport, c'est une écurie très connue en course routière. Ils ont notamment gagné les 24 heures de Spa avec une Corvette C6R en 2008 ou 2009. Je ne me souviens plus exactement. Donc c'est pas non plus des touristes. Et ouais, il tape le mur tout seul à l'extérieur. Wow, et il emmène la 0,50 avec lui. Ouais, Laurie Sesmans. Derrière, ça sauve les meubles comme ça peut. Mais ouais, c'est il a eu chaud là quand même. Hein, parce que ça aurait pu faire beaucoup plus mal. On va voir. Au milieu de peloton, hein, faut pas l'oublier. Ouais. Là, ça touche pas du tout avec Tony Repussard, c'est propre. Et ouais. Tout le monde dans les stands. Passe T1, T2, et là, boum, sortie T2, il le voit arriver, il lève le pied, et là, regardez, oh, 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 et boum. Et ça passe pas loin à chaque fois. Allez, de retour des stands. Tout le monde dans la voie des stands. Et le premier à sortir, ça sera la 024 à 99.
Kevin Pommier, Gary Dumont, Jacques Récant, Thibault Leflemme, Benjamin Truflandier, Jean-Baptiste Charles, Tony Repussard, Mickaël Cadeau pour le top 10 qui ressort des cendres. Et juste pour terminer sur Alan Day, vu qu'on est sous drapeau jaune, Adrien, on a un petit peu plus le temps de revenir sur les... Sur Alan Day, figure-toi qu'il a roulé dans les séries nationales NASCAR. Il a fait ses débuts en Xfinity du côté de Mid-Ohio sur le circuit routier au volant d'une Dodge qui avait déjà quelques années au compteur. Il avait terminé à la 13e place et il a aussi participé à une course en truck et une course en cup. Même deux courses en cup. En cup notamment du côté de Sonoma sur le circuit routier. Et je crois qu'il avait fait une course sur Oval, je me demande si c'était pas du côté de Richmond. Donc il connaît l'effervescence des courses de NASCAR aux États-Unis. Effectivement. Alors faut savoir que c'est pas la première course virtuelle que la NASCAR Wheel and Euro Series organise. Il y en a eu une la semaine passée, il y a quelques jours, sur un routier, au Glen. Oui. Et c'est Alan Day qui a gagné. C'est ça, c'était dimanche dernier, je crois, en même temps que la course d'Homestead organisée par la NASCAR. Donc il y avait plusieurs courses et Alan Day est allé s'imposer du côté de Watkins Glen sur un circuit routier, pareil, bien connu de tous les fans de sport automobile. La version utilisée, bien évidemment, en Cup et en Xfinity. Donc la version courte du tracé. Alors là, on peut voir André Castro qui est toujours devant la voiture de tête. Donc il va pouvoir se délaper. Même s'il s'est déjà fait, il s'est déjà délapé puisqu'il est devant le leader, mais il va pouvoir se remettre en queue de peloton à la fin de ce tour, je pense. Au prochain passage de la ligne, il devrait pouvoir passer. Et il reviendra à 4 tours des voitures de tête. Voilà, il passe. Et on va retrouver les voitures de tête. Alors la question... On a la 08 qui sort des stands. Alessandro Brigatti qui a essayé d'user le chrono jusqu'au bout hein, pour peut-être mettre quelques coups de marteau sur la voiture. Pilote italien qui prend place sur l'ovale. En queue de peloton, on voit l'aile avant droite, quand même abîmée. Allez, on va revenir sur les voitures de tête. Pour le restart. Alors, est-ce que... Alan va recoller une valise au reste du peloton dès que la voiture de sécurité va partir. Est-ce que Cyril va se faire avoir? Ça fait deux fois qu'il fait le coup. On peut supposer qu'il répète la chose. Et c'est reparti. Et Cyril ne se fait pas avoir. L'écart est moins important que tout à l'heure. Alors forcément, en étant premier, on a un petit avantage au restart, puisque c'est le leader qui impose le rythme. Et là, ce coup-ci, plutôt bien géré par le peloton. Et derrière, par contre, ça s'étire très très vite. Hein. On le voit là, au-delà de la 12e place, c'est la voiture de Pascal Dupas, la voiture bleue qu'on aperçoit dans le fond de l'écran. On a une petite cassure, il emmène une voiture avec lui, Pascal, c'est Nicolas Delot. Et après on va retrouver la voiture verte de Patrice Langlais
suivi par Yacine Barnac et Francis De Chilly. La voiture jaune au loin, c'est Francis De Chilly. Mais là, on est déjà à la 17e place. Ouais, on a une cassure après une dizaine de places déjà. En fait, j'ai regardé le restart d'Allende. Si on était sur une course non e-racing, une course physique, son restart ne serait pas valable. Il accélère trop tôt ? Il accélère beaucoup trop tôt. En fait, si vous faites attention quand vous regardez, vous voyez dans la ligne droite avant, il y a deux lignes blanches qui sont perpendiculaires à l'axe de la piste, qui sont les lignes qui matérialisent la zone de restart. Et en fait, on doit accélérer dans cette zone. Et en fait, on se rend compte qu'il accélère largement avant. Bien avant. On fera attention s'il y a un prochain restart. On fera attention à cette information pour voir un petit peu de combien il anticipe ce restart. Allez, Cyril qui est bien accroché. Kevin Pommier qui a concédé 3 dixièmes. Il y a une vingtaine de mètres entre les deux voitures. C'est pareil pour Gary Dumont. Par contre, il a Thibaut Leflemme qui s'est rapproché, qui va peut-être se glisser à l'intérieur. Et pendant ce temps-là, on boucle le 46e tour. Nous sommes dans le tour numéro 47. On arrive bientôt au premier quart de la course. Ouais, et dans le peloton, à tous les niveaux, ça bagarre. Hein. Là, je suis avec Gilles Châtelain, Yacine Barnac notamment. Un peu avant, c'était Pascal Dupas et Jonathan Berthier. Il y en a pour tout le monde. Alors, des petites statistiques sur ce tracé de Charlotte. En Cup, sur l'US Racing FRN Cup Series, je vais y arriver, on vient tous les ans ici. C'est un classique du championnat principal de l'IFRN. Et donc, on l'a dit, Gary a déjà gagné 3 fois ici. Simon Crochard a gagné 4 fois sur ce tracé. Jonathan Berthier a gagné une fois. Oui. Pierre Verne est le dernier vainqueur ici, l'année dernière. C'était lors du 14e round. Il avait imposé la numéro 24. Dans les autres championnats, Jean-Baptiste Charles a déjà gagné aussi. 3 fois, il a gagné. Kevin Pommier a gagné également une fois. Simon a gagné même 5 fois. Puisque Simon a aussi gagné dans 6 fois. Il a gagné aussi en IFRN classe C Series et en classe D. Il a gagné partout. Et on a Julien Oligo qui a gagné en Access Series et en Innova Access Series et en US Racing IFRN Cup Series. Donc on a beaucoup de vainqueurs sur ce tracé. On peut espérer voir d'autres, un nouveau vainqueur ce soir, quelqu'un peut-être qui n'a jamais gagné, comme Thibaut Leflemme par exemple, qui n'a pas encore son nom ici. Peut-être Allende, qui pour sa première participation sur une course chez IFRN, peut-être partirait avec un trophée, ce qui serait quand même une belle performance. Faut voir quand même que pour l'instant, la numéro 24 a mené environ 50 tours des 50 tours parcourus. Donc il laisse pas beaucoup de chance aux autres pour l'instant. Mais c'est pas il a mené 50 tours en ayant des kilomètres d'avance. Il a toujours été devant, certes, mais derrière, que ce soit Cyril et maintenant Kevin, ils sont sous la seconde depuis le début de la course. Alors je suis complètement d'accord avec toi, je ne pense pas qu'il soit le coude à la portière. Non, je pense que tout le monde est... Je pense que tout le monde est à bloc. Exactement, parce que le rythme est très rapide, on est dans des tours relativement rapides, on voit le peloton, il s'étire très très vite, en 2-3 tours, le peloton est étiré tout de suite,
sur une ligne, tout le monde cherche la trajectoire optimale, etc. On n'a pas trop la place pour essayer de dépasser ou quoi que ce soit. Donc c'est un peu compliqué là. Pour aller trouver un déplacement, il faut aller par exemple ici à la 21e place avec Giorgio Maggi qui va venir dépasser Vincent Bilodel au premier virage. Vincent Bilodel qui garde le haut de l'ovale. Et ça passe pour Giorgio qui récupère la 21e place. Alors Geoffroy, si on cherche le deuxième pilote de la NASCAR Wilan Euro Series, où se situe-t-il? Laisse-moi regarder le classement. Dans le top 10, il n'y en a qu'un. C'est ça, il n'y en a plus qu'un seul. Toc, 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 toc. Eh bien, c'est... Giorgio Maggi? C'est Giorgio Maggi, exactement. Eh oui, je voyais un pilote plus haut. Alors, tu veux des infos sur Giorgio? Par exemple. Giorgio Maggi, qui, comme son nom l'indique, est suisse. Un pilote suisse. De 22 ans, natif de Bergiswil. Qui nous vient du GT. Il a gagné sa première course en NASCAR Wilanus Euro Series à Valencia lors de sa toute première course dans la discipline. En profitant d'un... En fait, il a pris le meilleur dans le dernier virage suite à un accident entre André Castro et Miat Schneider. Il est issu du Drivers Recruit Program, donc il faut savoir que la division européenne de la NASCAR a mis en place un programme de recrutement des pilotes. Ils sont sur 5 ou 6 dates pendant l'intersaison sur différentes pistes d'Europe. Et plusieurs pilotes peuvent venir s'essayer et un jury délibère pour savoir quel pilote mérite d'avoir une bourse pour accéder au championnat européen de NASCAR. Donc il est devenu il a remporté pour sa première année 3 et 4 pole positions, ce qui est plus qu'honorable, même très très bien honorable. On rappelle qu'il y a en tout 7 meetings, donc ce qui fait un total de 13 courses dans la saison. Donc en remporter 3, c'est un beau pourcentage. Il termine deuxième de la deuxième division pour sa première année. Et pour 2020, il monte dans la division Reine qui est le pro. Et il affrontera notamment des pilotes comme Loris Esman dont on a parlé, comme Alan Day, et comme un certain Jacques Villeneuve. Je ne sais pas si tu connais, mais il a notamment été vainqueur des 500 miles d'Indianapolis, champion du monde en Formule 1. Moi, le seul Jacques Villeneuve que je connais, il a des chemises à carreaux et il commente les Grands Prix de Formule 1. Ben, c'est le même. Ah! Voilà, et il pilotera donc pour la Hendrick Motorsports, qui n'a rien à voir avec la Hendrick Motorsports aux États-Unis. Et il retrouvera Lasse Sorensen, qui était son grand rival pour le titre l'année dernière dans la Division 2. Et c'était le. Je crois que Lasse Sorensen est suédois. C'est lui qui avait gagné. Ou suédois ou finlandais. Bref, il est du nord de l'Europe. Voilà pour le petit panorama sur Giorgio Maggi. Depuis, nous avons largement passé le quart de la course et regardé devant. Cyril titille toujours Brandon D. James, alias Alan Day. Il est danois, pardon, l'assessor. Je rectifie ma bêtise.
Effectivement, devant, ça reste très serré entre les deux premiers. On navigue toujours autour de 2-3 dixièmes, Adrien. C'est une habitude, mais Cyril ne passe pas. Alors, est-ce que Cyril ne trouve pas l'ouverture ou est-ce que Cyril ne veut pas passer pour l'instant? C'est la question que j'allais te poser. Alors, j'ai vu que le crew chief de la 99 était avec nous. Salut, Gizgi. Peut-être a-t-elle l'information, mais peut-être ne veut-elle pas la donner. Franchement, je sais pas dire. Je sais pas dire. On sait que Cyril, il a plus d'un tour dans son sac. Là, j'ai l'impression qu'il joue un peu. Il essaye sur l'extérieur. Et je pense qu'il a des pneus un peu plus frais que Allende. Il va passer sur l'extérieur. Oh, oh, oh. On a failli perdre la 99 en cours de route, mais non, elle est toujours là. Ouais, c'est la première fois qu'il porte une attaque. Et ouais. ça pourrait passer après 65 tours, donc après pratiquement un tiers de la course, et ça passe. Et on a le premier changement de leader après 65 tours de course. Oui. Il faut savoir que... Et Kevin Pommier maintenant qui pourrait essayer d'attaquer Allende. Alors ça sent les pneus qui commencent à... Oh, c'est chaud entre les deux. ça sent les pneus qui commencent à tirer la tronche sur la 024 quand même. Hein. Parce que Cyril, non seulement il est passé... Mais il est parti. Mais il est parti. Il a déjà mis 5 dixièmes en un tour. Ouais. Je pense que les pneus de la 024 commencent un peu à tirer la langue. Alors, dans l'histoire des courses de l'IFRN sur le tracé de Charlotte... Il y a quand même beaucoup d'éditions hein, sur ce tracé. Là, je vais essayer de les compter très rapidement. Il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Il y en a 24. Il y a une édition. Et ça passe pour Kevin Pommier. Il y a une édition où eh bien, il n'y a eu qu'un seul et unique changement de leader. C'était en Innovax Studio IFRN Access Series. C'était en 2018. Et. On a vu la victoire d'une voiture du Race Clutch emmenée par Jean-Baptiste Charles, la numéro 39, qui est là ce soir. Jean-Baptiste Charles, le voici. Il est actuellement 9e. Allende s'est fait passer par Kevin Pommier et maintenant c'est Thibaut Leflemme qui lui met la pression. Ouais, alors là, je pense clairement que on ne se trompe pas trop si on dit que c'est les pneus qui sont vraiment dans le mur. Oui, hein. Oui, et puis je crois qu'il a tapé le mur. En tout cas, il a fait une petite équerre à la sortie du virage numéro 2. Merde. Alors, est-ce que le prochain serait Gary Dumont? Alors là, c'est peut-être sur ce genre de conditions de course que les pilotes qui ont l'expérience du jeu vont commencer à tirer profit. Des longues séquences sous drapeau vert. Des longues séquences sous vert, ouais. Avec la gestion de l'usure des pneumatiques. Exactement, la piste dynamique, etc. etc. Après, à mettre quand même au crédit d'Allende, c'est un des pilotes, sinon le pilote des NASCAR Whelen Euro Series, qui roule le plus sur e-racing. Aussi. Donc c'est possiblement quelque chose auquel il est habitué. Alors par contre, pendant ce temps-là, on ne voit pas trop ce qui se passe en queue de peloton, mais il ne nous reste que... 28 voitures, hein. On a quand même perdu pas mal de concurrents. Donc le premier a été Pierre Verne. Oui, ensuite on a eu Advait Deodar, Joël Van Pratt, Jean-Philippe Chrétien, Ben Crianor, Laurie Zesmans, Vincent Hamet, Ulysse Delso et Bruno Aguirre. Exactement. Et c'est donc André Castro
qui est le dernier pilote avec une voiture roulante et donc classée pour le moment. Peut-être qu'Éric Laval pourrait repartir, c'est pas encore certain. Il a 29 minutes de réparation là, ça fait une demi-heure qu'il est dans les stands. Est-ce qu'il va repartir? Je sais pas. Par contre, attention à la numéro 22, parce que il sort des stands avec des pneus neufs. Et là, il est au milieu des leaders. Regardez comment il distance les leaders. Là, on a un tour en 32-2 pour les pilotes du milieu de peloton. 31-8 pour la voiture de tête. On va voir le chrono d'André Castro, mais ça devrait être aux alentours de 30 secondes, 0.5, 0.7, quelque chose comme ça. On va le voir sur le dernier tour. Il a passé la ligne 30.8. Donc là, il est un petit peu sur une autre planète pendant quelques tours, André Castro. Et que peut-on dire à propos d'André Castro ? Qu'il est en pneu neuf, c'est pour ça qu'il est sur une autre planète. Qu'il est en pneu neuf, qu'il nous vient de Chicago aux États-Unis et c'est qu'il a 21 ans. C'est ça. Et qu'il nous vient de la monoplace à la base. Donc, il a fait ses débuts en 2019, lui aussi grâce au NASCAR Whelen Euro Series Drivers Recruitment Program. Et il a raté la victoire à Valencia. Alors que bah, il se battait justement avec Mia Snyder. Et cette victoire a été revenue à Giorgio Maggi, on en a parlé précédemment. Il termine la saison avec 4 podiums et une pole. Et en 2020, il sera chez DF1 Racing dans la numéro 22, toujours dans la deuxième division de. Championnat européen. Je crois que la voiture ressemble à celle qu'il pilote actuellement. Hein. Oui, et il partagera la voiture avec un certain Ander Villarino, qui est le triple champion, un pilote espagnol qui a dominé il y a quelques années de cela, qui avait remporté 3 titres en 4 ans de mémoire. Alors tu dis qu'il partagera la voiture avec quelqu'un, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le concept de la NASCAR Whelen Euro Series pour ceux qui ne le connaîtraient pas? Effectivement, donc sur les différents week-ends de course, on a deux catégories qui sont, alors les noms ont changé, donc l'Euro NASCAR 2 qui est la deuxième division et l'Euro NASCAR Pro. Donc en fait on a un pilote par voiture dans chaque catégorie. D'accord. Et on a même une troisième division de temps en temps, enfin, qui n'est pas sur toutes les courses, et qui permet à d'autres pilotes type Gentleman Drivers d'être présents. Et c'est un championnat qui est basé sur la régularité. Donc on a principalement deux championnats qui rapportent des points et qui sont et dont les courses sont retransmises à la télévision. L'Euro NASCAR Pro et l'Euro NASCAR 2. Et chaque championnat a ses récompenses. Et en général, la récompense, c'est d'aller piloter aux États-Unis la saison suivante dans une division. Parfois, ça peut être aussi au Canada, dans le championnat canadien ou dans le Mexique. Puisqu'il y a aussi un championnat mexicain Badger NASCAR, championnat canadien et championnat mexicain qui sont basés sur des courses routières comme l'Euro NASCAR. Alors, même si en Euro NASCAR on a une épreuve sur ovale qui sera cette année normalement du côté de Venray aux Pays-Bas. Normalement, à cause des problèmes sanitaires qu'on connaît, que tout le monde connaît actuellement. C'est ça, le championnat devait débuter au mois d'avril du côté de Valencia et se poursuivre début juin du côté de Brands Hatch. Ces deux épreuves ont été reportées
Brands Hatch, on ne connaît pas encore la date, et Valencia, ce sera en fin de saison. Ça devait ouvrir la saison, ça la clôturera. Et ce championnat, tu as dit tout à l'heure qu'il y a des passerelles avec les États-Unis. Oui. Il est badgé NASCAR. On sait que la NASCAR, c'est une marque qui... on ne peut pas faire ce qu'on veut avec, hein, comme beaucoup de marques. Il y a de réels liens et c'est chapeauté par la maison mère NASCAR aux États-Unis. Tout à fait. Et il y a des passerelles dans les deux sens. Ça vaut aussi bien pour le champion européen, enfin les champions européens, pardon, qui peuvent aller sur le continent américain effectuer quelques courses, quelle que soit la série l'année suivante, mais dans l'autre sens, où ça a été chaud entre Tony Roffuser et Allen Day, excuse-moi. Ouais, on l'a vu. Et regardez, il y a un monster qui double un autre monster. Effectivement, là, Allen Day, il est 8e, si je dis pas de bêtises. Alors, visiblement, le monster sur une Ford est plus efficace que le monster sur une Chevrolet. Ouais, Jean-Baptiste Charles derrière qui a tapé le mur. Alors oui, pour revenir sur ces histoires de passerelles, on a des pilotes américains qui viennent s'essayer au NASCAR Wheel Euro Series. Donc là, tu parlais d'André Castro tout à l'heure. Faut pas oublier non plus, et je l'ai oublié, on a... Il va me revenir. Si, Matt Snyder, dont je parlais tout à l'heure, qui a piloté en Euro NASCAR 2 l'année dernière. On a des filles aussi qui sont venues en NASCAR Williams Euro Series. Et forcément, là, je passe pour un guignol puisque je ne me souviens plus des noms. J'ai des petits problèmes de mémoire, tu m'excuseras, Adrien. Je vais essayer de rechercher ça le plus rapidement possible. Pendant ce temps-là, on voit Alessandro Brigatti dans la numéro 08 qui navigue et vole vraiment au milieu du peloton. Il est en train de se dédoubler par rapport à Alon. Ouah, et le contact entre Alessandro Brigatti et Alon Day. Ouais, quel beau sauvetage. Le contact, c'était chaud. Regardez, Alessandro, ici sur l'extérieur, salut Magic Ayrton. Il est juste derrière. Et dans la ligne droite des stands, il essaie de faire moins de distance en se mettant à l'intérieur. Il place le capot, le spotter, normalement dans la numéro 24, doit l'alerter. Et là, il est vraiment à l'intérieur. Et en fait, il mord l'aperon. Il mord l'aperon pour aller percuter Alon Day. Et par contre là, il avait des pneus tout neufs, mais tout neuf de 17 tours. j'ai peur qu'il y ait quand même quelques irrégularités sur le pneumatique et on va voir comment ça pourrait se ressentir par la suite. Bah, ça va tourner carré. Là, il se fait bousculer par la numéro 18. Alors la numéro 18, eh bien, je la cherche. Eh bien, c'est la voiture de Giorgio Maggi qu'on avait tout à l'heure. Alors pour revenir sur les pilotes américains, honte à moi que j'avais oublié, on a un certain Bobby Labonte qui est venu rouler l'année dernière. Bobby Labonte qui est juste champion Cup en 2000, qui est aussi champion Xfinity au début des années 90, 92 de mémoire. Donc voilà, aussi un palmarès plus que respectable. Et la fille dont je parlais pour la saison dernière, c'était Jennifer Jacob. Et cette année, il y aura Nathalie Decker. Ils viennent sur une course particulièrement ou sur toute la saison? Alors, je retrouve ça. Mais Jennifer Jacob n'avait fait qu'une seule course l'année dernière du côté de Valencia. Matt Snyder avait fait toute la saison. Et Bobby Labonte. Il n'y a pas forcément de règles. C'est en fonction. N'avait fait qu'une seule course aussi, Valencia. Oui, c'est un petit peu en fonction des calendriers des uns et des autres. Jennifer Jacob aussi n'avait fait que Valencia.
Il faut savoir que s'il roule également aux États-Unis, la priorité en général est donnée aux États-Unis où ils font toutes les courses. Oui, oui. Ce qui peut paraître bien logique. Donc, bon, voilà. C'est ainsi fait. Il y a aussi des échanges parfois avec le championnat canadien. Qui se font sur une course, il y a un pilote canadien qui vient ou un pilote mexicain en fonction et un pilote européen qui va sur la finale ou sur une épreuve au Canada ou au Mexique. D'accord, merci pour ces explications. Comme ça, pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, ça peut permettre de prendre un peu mieux ce que la NASCAR Wheelon Euro Series. On voit Eric Laval qui est revenu en piste, la numéro 19, avec un capot auto-ventilé, enfin un moteur auto-ventilé plutôt. Alors, qui a-t-on en position de Lucky Dog pour le moment? Je crois que c'est la numéro 72, hein. C'est ça, c'est la 72 de Johan Margot. Par contre, il y a Kevin Pommier à un tour. Est-ce qu'on a eu un problème pour Kevin Pommier? Non, il s'est arrêté, Kevin Pommier. J'ai la 17 de Gilles Châtelain aussi à un tour. Ouais, mais elle est derrière la voiture de Johan Margot. Ah, bon, bah, je dois pas être actualisé alors. Kevin Pommier est le premier à s'être arrêté. Il s'est arrêté il y a 8 tours. Peut-être que les pneus de Kevin Pommier étaient aussi un petit peu dans le dur. Et devant, on se retrouve avec des pneus qui ont 55 tours. On va voir jusqu'où les leaders peuvent arriver à emmener leur train de pneus. 55 tours, dans l'idéal, si on s'arrête maintenant, il y aurait encore un arrêt à faire. Et drapeau jaune. Eh ben, ça va être vite réglé. Alors, qui est-ce? Là, ah, je l'ai pas vu. Enfin, si, je l'ai vu, mais j'ai pas vu le numéro. Je pense que c'est la 48 de Michael Cado. Je te dis ça. Oui, bien vu. 48 de Michael Cado. Il n'est pas parti tout seul. Il y a eu un contact avec la 72 de Johan Margot. Dans la ligne droite arrière. Alors, il avait Gary Dumont devant lui. Gary passe. C'est Johan en fait qui tape le mur. Et qui vient rebondir sur Michael Cado et qui est, non pas Kevin Pommier, c'est Jacques Récan, ouais, qui vient taper le mur en haut. Qui vient taper le mur, mais ça aurait pu être beaucoup plus grave pour Jacques. On va essayer de revoir ce qui se passe en caméra embarquée pour Jacques. Où est la voiture de Jacques? Elle est là. Et regardez, la voiture est en toupie là et... Ouais, ça frotte un peu de tôle. Ça aurait pu être bien plus grave. Et les leaders dans les stands, fort logiquement. Allez, on devrait voir ressortir la 99 dans les premiers normalement. Thibaut Leflemme là qui ressort au fond. Oui, Cyril ressort premier, largement devant Thibaut Leflemme et la 51. Gary Dumont, Jonathan quatrième. Et ça va être la 43 de Francis de Chilly, cinquième. Tony Repussard, Yacine Barnac, exactement. Par contre, c'est long pour Alon, c'est long. Je pense que ça répare. Oui, il y a eu un contact. Il y a eu un contact. Hein. Donc ça doit réparer. Ça va ressortir, je pense. Ah non. En TP nultième parmi ceux qui se sont arrêtés. On a derrière, on a la 8 d'Anthony Raphaël et la 80. Et on a Charles Lacar là, sur le chat qui nous précise que Bobby Labonte avait fait l'ensemble de la saison 2018 en Wheelon Euro Series. Hein. Oui, oui, mais là on était sur 2019, mais effectivement en 2018 il était là. Toute la saison. Et si tu veux, tout à l'heure, on pourra parler du calendrier 2020, vu qu'on l'abordait un petit peu. J'ai l'ensemble des dates, sous réserve de... Sous réserve de... Ben on peut en parler très rapidement maintenant, peut-être. Bon, on peut en parler maintenant. Sous le drapeau jaune.
Donc la première épreuve devrait se tenir les 20 et 21 juin du côté de Most en République tchèque. Ensuite, le 11 juillet, on irait à Venray aux Pays-Bas pour la seule épreuve sur ovale. 12-13 septembre, ce serait Vallelunga en Italie. 3 et 4 octobre, Zolder en Belgique. 17 et 18 octobre, Hockenheim en Allemagne. 31 octobre, 1er novembre, le circuit Ricardo Tormo de Valencia en Espagne. Et Brandzach, pour l'instant, qui a une date non communiquée. On verra ultérieurement quand est-ce qu'on pourra aller rouler sur le haricot magique de Brandzach. Haricot magique de Brandzach. Mais oui, il a une forme d'haricot, le petit tracé. Le petit tracé, ouais, le petit, oui, tout à fait. Et on voit qu'on a quelques voitures là qui sont devant la voiture de tête, qui vont essayer de se dédoubler. On a la 17, la 75, on a aussi la 44 de Julien Lavoine. Donc la 17, Gilles Châtelain, 75, Pascal Dupas, Anthony Raphaël qui est un peu plus loin, non. Kevin Pommier, lui, est en queue de peloton. On va avoir Giorgio Maggi qui, lui, est juste derrière la voiture de sécurité. La 2 de Rodolphe Delage. On va avoir Vincent Bilodel, 23e. Michael Cado est dans la voie des stands. Antoine Marc, où est-il? Antoine Marc passe dans la voie des stands. Il n'a toujours pas récupéré l'avant de son auto. Les mécanos n'ont pas réussi à recoller bout de voiture. Et la numéro 08, qui elle est lancée à pleine charge. Ouais, ils rejoignent le peloton. Derrière la voiture de Johan Margot, donc impliqué dans ce dernier drapeau jaune. Allez, pour vous donner les 5 premières lignes de ce restart, nous allons avoir Cyril Nussbaum et Gary Dumont sur la première ligne. Thibaut Le Flem et Jonathan Berthier seront sur la deuxième ligne. Tony Repussard, Francis Deschilly sur la troisième ligne. Yann Buisson et Yacine Barnac seront sur la quatrième ligne. Et sur la dernière ligne, eh bien, nous retrouverons Alain Day et Benjamin Truflandier. Messieurs, c'est désormais le troisième restart. Et Cyril a anticipé un petit peu cette réaccélération aussi. Hein. C'est pas faux. C'est ce que je regardais spécifiquement. C'est aussi l'avantage d'être en première position, mais en fait le jeu ne tient pas compte de la zone de restart, clairement. Non. A priori. Oh, Francis Deschilly sur Tony Repussard. Ça passe pour Francis. Yacine Barnac, Yann Buisson, pardon. Tony Repussard qui se décale. Allez, devant, ça se bagarre. Alain Deck qui aura donc mené 63 des 100 tours courus et couverts. Oh, entre Benjamin Truflandier et son, c'était chaud. Je me demande même si ça n'a pas touché. Et c'est possible parce que je crois que la numéro 3, elle est un peu abîmée sur l'aile gauche. Oui, c'est possiblement là que ça a touché. On va essayer de voir. Et meilleur tour en course pour Cyril Nussbaum, vous le voyez à l'instant. Et Cyril qui a désormais une petite demi-seconde d'avance sur Gary Dumont. Non, sur Thibaut Le Flem. Visiblement, ces nouvelles anciennes couleurs lui donnent du pep, ça.
à Thibaut. La 51 qui le suit de très près. Et Jonathan Berthier aux avant-postes. Là, on retrouve les vieux briscards hein, quand même. Hein. Tony Repussard, 5e. Francis Dechilly, 6e. Ça, c'est tous les vieux briscards de la division. Allende, 7e. Ici, talonné par Benjamin Truflandier avec sa Toyota. Quel cadeau toujours dans la voie des stands. Jacques Récan aussi qui a touché un petit peu tout à l'heure, hein, qui du coup maintenant est redescendu dans le milieu du peloton. Il est désormais 15e. Derrière la numéro 14 de Nicolas Delot. Et les deux hommes de tête qui sont de nouveau très proches. Par contre, on a changé l'une des voitures. Ce n'est plus la 24, enfin la 024, c'est la numéro 50. Emmenée par Thibaut Leflemme. Et on a vu la force quand même de Cyril hein, sur les très longs runs. Il avait mis une valise à tout le monde avant le drapeau. 2 secondes d'avant sur le deuxième. C'est peut-être un peu plus compliqué pour lui en début de run. Alors que dans le même temps, je suis en train de surveiller Allende qui a gagné une place depuis le restart. Il est 7e. Alors on a parlé de quelques pilotes. Oui. Qui roule donc en NASCAR Williams Euro Series. On va changer un petit peu de côté. On va vous parler de quelques pilotes qui roulent dans les séries IFRN. On pourrait commencer par le numéro 50 par exemple de Thibaut Leflemme et drapeau jaune. Ah bah décidément, on va pouvoir continuer sous le drapeau jaune. Par contre, je ne vois pas la voiture. Ah, non, j'allais dire je la vois, mais non, c'est la voiture de sécurité que je vois. Oh, Alessandro Brigatti. Oh oui, la 08 est allée dire bonjour au Seferwool. Aidé un petit peu par la numéro 7 de Cédric Colléo, qui d'ailleurs a aussi pris le mur. Il a glissé le capot. Par contre, Alessandro a peut-être un peu trop fermé la porte. Cédric mort aussi un petit peu à l'intérieur. Mort aussi la prompte, comme tout à l'heure, c'est le même incident qu'avec les deux autres pilotes sur le précédent drapeau jaune. Ouais. Et donc, on va se retrouver avec le passage dans la voie des stands pour ces différents pilotes. Ouh, une petite entrée rebloquée pour Jean-Baptiste Charles.
Et on voit quelques pilotes hein, qui restent en piste. Et il fait nuit désormais. Il fait nuit, ça peut être important. Allez, le passage au stand. Alors ça va permettre à quelques pilotes de revenir dans le tour du leader. Ils sont quelques-uns à ne pas s'être arrêtés. Non, c'est bon. Cyril devant Thibaut. Jean-Baptiste quatrième. Jean-Baptiste quatrième. Ouais. J'ai essayé de suivre un peu tout le monde. Je t'avouerai que à force, ça va très vite la sortie des stands. C'est compliqué les sorties de stand. Tout le monde arrive un peu en même temps. Et donc c'est Gary qui pointe en deuxième place. Derrière Cyril qui est sorti en tête. Thibaut, lui par contre, est sorti en troisième place. Et donc Thibaut, eh bien, ce soir, il court sa 200e course. Toutes divisions confondues. En US Racing et Ferret Cup Series. Sur ces 200 courses, c'est un total de 26 000, presque 600 tours menés. Il en a mené environ 10%, 9 exactement, 9,09. Par contre, c'est 9 victoires et 83 top 5. 26 000 tours menés ou parcourus ? Parcourus. Ah, d'accord. Menés, c'est 2417. Ok, ça me paraissait énorme, c'est pour ça que. C'est beaucoup. Et c'est 9 victoires et 23 pole positions. Donc, 83 top 5. Avec en saison 2020 une pole position. Il a eu une victoire en Cup en 2017 et en 2015 sur la deuxième partie de saison. Et en Innovax Studio IFR Access Series, eh bien, il a une victoire en 2019 et en 2016 et deux victoires en 2018 sur les deux demi-saisons à chaque fois. 4 victoires au total dans la deuxième division de l'IFRN, deuxième IFRN Series, et une victoire également en classe C, ce qui doit nous faire un total de 9. Allez, on va laisser les pilotes faire un tout petit tour et puis nous on va se retrouver dans quelques secondes, juste le temps de vous passer une toute petite vidéo. On revient tout de suite. The most realistic online racing sim ever made. This is iRacing. Detailed laser scan tracks, fully dynamic real world cars, and over 50 series to choose from. 6 online world championships offering over $100,000 in annual prizes. This is the original esport racing game. This is iRacing. Allez, on est de retour pour le restart. Les voitures sont bien alignées. 99 et 51 pour la première ligne. 50 et 39. 9 et 28. 0,24 et 43 pour la quatrième ligne. Et la dernière ligne du top 10, ça sera 91 et 92. Attention pour ce restart. On est parti. Et attention à la ligne intérieure qui prend un très bon envol. Et c'est Jean-Baptiste Charles là qui est un peu coincé sur la ligne extérieure. Il va glisser probablement derrière Thibaut. Oh, c'est parti derrière Patrice Langlais.
Tout seul. La numéro 90. À la faute. Je te dis tout seul, si ça s'ouvre, peut-être pas. Mais. On va essayer de voir, on va essayer de voir. Le restart de Patrice Lenglet. Il a Jacques Récan devant lui. Pascal Dupas derrière et la 14 de Nicolas Delon. Effectivement, il n'était pas tout seul. Tout. Si, ça survire tout seul, j'ai l'impression. Ah, il part tout seul, oui. J'avais l'impression, mais non. Il emmène Yann Buisson avec lui. Gentiment, qui le suit, tout simplement, par... Et les deux sont déconnectés, je pense, trop d'incidents. Ah, moi, je les vois encore. Ok, bon, bah, c'est mon écran qui a bugué. Ah, la connexion, peut-être. Non, effectivement, là, j'ai retrouvé Patrice. Et Yann est aussi en piste. En tout cas, nous n'avons pas récupéré la 48 de Mickaël Cadeau. Il n'est plus en piste. Nous avons également perdu la numéro 7 de Cédric Colléo qui répare. Est-ce qu'il va revenir? Il va falloir attendre tout simplement parce que ça joue du marteau et de la clé de 10. Par contre, Cyril s'est envolé encore, j'ai l'impression. Oui, il est encore une fois reparti assez aisément devant. Alors, on voit Tony Repussard là qui est à la lutte avec Jean-Baptiste Charles. Ouais, derrière, c'est Alain Deck qui est à la lutte avec Jonathan Berthier. Attention, messieurs. C'est parti. C'est Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste Charles qui s'en est allé embrasser le mur. Avec Tony Repussard. Ils étaient côte à côte. L'avant, l'arrière. Avec Tony. Ouais. Oui, puis là, le contact est assez, assez marqué. Alors, qu'est-ce qu'on a eu exactement? J'ai l'impression qu'il y a... Francis de Chilly qui lui refait l'arrière à Jean-Baptiste Charles. Alors là, ça va être ici. On va regarder le volant. Et j'ai pas l'impression que il y ait de perte de contrôle ou quoi que ce soit. C'est assez bizarre comme contact. Je sais pas trop quoi dire en fait. Et on en est quand même à notre cinquième drapeau jaune. Et c'est le troisième en 25 tours. Est-ce qu'on commencerait à s'énerver un peu? Alors, est-ce que certains vont tenter de pneus? Pas encore, c'est trop tôt. Pour faire des stratégies. Cyril a fait 4 pneus là? Cyril a fait 2 pneus. Il suffit qu'on le dise pour qu'il nous fasse mentir, Cyril. Oui, ça me paraissait bien court son arrêt. Ah ouais. Mais quel est l'intérêt de faire 2 pneus? On a que 10 tours dans le train gauche. C'est pas le train qui s'use le plus rapidement. Il voulait peut-être aussi voir en fonction de comment ça évolue pour la fin de course. Ah, il testerait maintenant pour voir comment ça pourrait se passer en fin de course. C'est vrai que c'est le bon moment. Vaut mieux le faire maintenant que tester plus tard. Et que même si on doit aller sous drapeau vert jusqu'au drapeau à damier, au pire, il anticipera un tout petit peu son arrêt au stand sous drapeau vert. Et ça fera rentrer tout le monde. Parce que
en et... pneu neuf, il aura une telle marge, sinon qu'il va finir avec 25 secondes d'avance sur tout le monde, quoi. Ouais, il pourrait faire une trentaine de tours, en fait, c'est ce qu'on est en train de se dire. S'il fait oui. que 30 tours, ça pourrait suffire. 30 tours, ça suffit, puisqu'il resterait 50 tours à peine, et on a vu tout à l'heure des pilotes qui faisaient un peu plus de 55 tours. Donc on est largement dans les clous pour aller au bout. Alors on a toujours cette voiture de sécurité avec Eric Laval, la numéro 19. Ensuite on va retrouver la numéro 22 d'André Castro, la numéro 44 de Julien Alavoine, la 77 d'Antoine Marc, la 8 d'Alessandro Brigatti. Une voiture quand même relativement amochée pour beaucoup, hein. Hormis la 44 là, qui a l'air à peu près intacte, la 22 aussi je crois était à peu près intacte. Après on va retrouver la 7 de Cédric Colléo, donc on a eu notre réponse, la 7 qui revient en piste. Après 6 minutes 07 de réparation, elle pointe désormais à 7 tours en 27e place de la voiture de tête. Il a un tour de retard sur la voiture qui est juste devant lui, c'est la 08 d'Alessandro Brigatti, qui lui-même a 4 tours de retard sur la 77 d'Antoine Marc, juste devant lui. La voiture qui est en position, qui est la première à un tour, c'est la numéro 18 en 21e place. Mais elle ne pourra pas se dédoubler, comme vous le voyez, elle est relativement loin dans le peloton. On va redémarrer à la fin de ce tour. Au niveau des passages par la voie des stands, la seule voiture à laquelle il faut faire attention, ce sera la 99. Elle n'a que 2 pneus. Pour toutes les autres voitures, on a eu 4 pneus. Des passages au stand plutôt similaires pour quasiment tous les pilotes. Le plus rapide d'entre eux ayant été Nicolas Delo en 14 secondes 0. 14 secondes 0. Et un passage dans la pit lane en 37.5. Le plus lent étant Anthony Raphaël, avec 15 secondes, et on va le voir ici, 9.3 seulement pour Cyril. Et la voiture de sécurité s'efface, on va repartir, anticipation ou pas, et on réaccélère. Gary va prendre le fil tout de suite. Allende dans le top 5, il est même quatrième. Et il y a Jacques Récan qui est en mode guirlande de Noël. Ça c'est pas forcément très bon. Ouais. Alors par contre c'est short run là. Et drapeau jaune. Et bah Jacques Récan justement. Ça s'est passé au niveau de Jacques Récan. Je pense que là par contre c'est probablement la connexion. Et le fait que le pilote clignote sur la piste. Il y a Vincent Bilodel qui est impliqué. Et on a aussi Patrice Longlet. Et on a la 75 de Pascal Dupas. Ça nous a fait du petit bois. Alors là, ça a essayé de passer à l'intérieur. Par contre là on a le Big One. Yann Buisson aussi qui est impliqué. Pascal Dupas n'a plus d'avant.
Allez, la 75, la 17, la 18. Ah, et des stratégies différentes dans les faits. Parmi les leaders, on en a quelques-uns qui sont rentrés, mais Cyril Nussbaum, Thibaut Leflemme, Gary Dumont, Alan Day, Kevin Pommier, Jonathan Berthier, Francis de Chilly notamment sont restés en. Tony Repussard fait partie de ceux qui se sont arrêtés. Tout comme Benjamin Truflandier, Yacine Barnac et la 8 d'Anthony Raphaël, Patrice Langlais aussi. Voilà un petit peu pour les deux stratégies, Adrien. Alors, est-ce qu'on va avoir un nouveau drapeau jaune? Sixième drapeau jaune. Jusqu'à quand faut-il remonter pour retrouver six drapeaux jaunes sur cette course? Eh bien, il faut remonter en 2017 en US Racing et FRN Cup Series. 2017, 7 drapeaux jaunes. Les 3 dernières années, il n'y a eu que 3 drapeaux jaunes ici. Et le maximum de drapeaux jaunes sur cette course de Charlotte a eu lieu en 2014-2015, il y a eu 8 drapeaux jaunes. Et c'est le record absolu de toute façon, toutes divisions confondues, à égalité avec l'année 2012-2013 de la IFRN classe C-Series, qui avait vu un certain Tony Repussard s'imposer. Alors on a vu pas mal d'incidents là ces derniers tours. On a quand même perdu quelques pilotes de la NASCAR Wheeland Euro Series assez rapidement. Je pense notamment à Advait Deodar qui a abandonné il y a maintenant plus de 100 tours. Donc il a fait une quinzaine de tours approximativement avec 31 tours avec son numéro 31. Advait Deodar qui est un pilote indien. Tout à fait. Et tu veux que j'en dise plus en fait hein, sur Advait Deodar. Si tu as des informations, on est preneur. Bien évidemment. Alors je te dis ça de suite. Je regardais juste un petit peu un incident. Advait Deodar, 20 ans, tu l'as dit, indien de Mumbai. Lui aussi originaire de la monoplace. Avant d'arriver en NASCAR dans la troisième division, justement, dont on parlait tout à l'heure, en 2018. Il a fait 6 courses en Euro NASCAR 2 la saison aussi en 2018, avant de passer à temps plein en 2019, toujours en Euro NASCAR 2 pour le compte de la DF1, de la Speedhouse et de Cal, de la Cal Racing. Il a couru pour 3 équipes en 2019, qui est sa position assez saison ouais. assez mouvementée, et il a terminé deuxième sur l'épreuve de Brands Hatch, qui est son premier podium. Et malgré cette saison mouvementée, comme tu le disais, il termine quatrième du championnat, et pour l'instant, pour 2020, il n'a rien de signé, en tout cas à temps complet. Continue de travailler pour trouver des sponsors et un volant. Finalement, ce report du début de saison pourrait peut-être être une aubaine pour l'Indien pour trouver un volant à temps plein. Alors ça peut être une aubaine, mais après il va falloir trouver du budget, et dans le contexte mondial que l'on a actuellement, j'ai peur que trouver du budget pour faire ce genre d'activité puisse être un peu compliqué. Effectivement. Allez, on va repartir.
et Cyril qui redonnent le ton une nouvelle fois. Gary Dumont qui s'insère. Eh, Gary qui a levé le pied pour pas dépasser avant la fameuse ligne. On va avoir sur la ligne extérieure. Cyril a mis une valise. Oh, ça part derrière. Ouais. C'est Jean-Baptiste Charles, je crois, hein, qu'on a vu. C'est une voiture blanche. Et c'est Anthony Raphaël aussi qui est un petit peu dans, ça se téléporter. Je vais essayer d'aller revoir Jean. Je te confirme, c'est bien lui. Hey, Kevin Paumier qui trouve l'ouverture sur Alan Bay. Jonathan Berthier qui suit derrière avec Francis de Chilly. Kevin Paumier qui prend la quatrième place. Anthony Raphaël qui est en dixième place, qui a fait son entrée dans le top 10, il pourrait récupérer la neuvième place à Nicolas Delot en suivant Tony Repussard. Voilà, c'est fait. Kevin Paumier qui du coup est calé derrière son chef de file et propriétaire en US Racing et FRN Cup Series, à savoir Gary Dumont, on le rappelle, hein. Kevin est en 91, je confonds lamentablement. Il faut que j'aille vérifier cette information parce que je crois que je confonds. La 91, c'est Vaillant Racing. Je confonds lamentablement et je confonds avec la numéro 50. C'est la 50 qui devance son chef de file en US Racing et FRN Cup Series, pendant que Gary, lui, par contre, se fait doubler et arrivé par Kevin Paumier. Et je crois qu'il essaie de tenir Gary, mais ça passe pas. Qui va être en mesure d'aller chercher la 99, est-ce que Thibaut Leflemme, avec son numéro 50 et sa voiture jaune et noire, va arriver à aller taquiner la 99 et son pilote? Par contre, tu noteras, Geoffroy, si on devait mettre cette course dans un cadre de US Racing et FRN Cup Series, on aurait devant un pilote Race Clutch, la 50 qui dans la saison régulière roule sous les couleurs de la TGP, Kevin Paumier qui est sur la Vaillante, Gary Dumont qui est le propriétaire de la TGP mais qui roule sous une autre couleur, SC Motorsport. On a une wildcard avec Brandon De James. On retrouverait un Jonathan Berthier avec la Vaillante. Avec la Vaillante, un Tony Repussard avec la TGP, Anthony Raphaël avec la TGP. Et Francis de Chilly. Francis de Chilly avec son 43 qui est à la Tech One Sim Sport et Nicolas Delot avec la numéro 14 qui est en wildcard. Et dans le top 10, nous n'avons qu'une seule voiture qui est badgée Race Clutch. Oui. Ce qui est très rare. Alors oui et non, ce qui est très rare en général, mais déjà, si je me souviens bien, mercredi, on avait Cyril et on n'avait pas les autres. Si je me souviens bien, à un moment donné dans la course, on s'était fait la réflexion. Je ne me rappelle pas. Les race clutch, c'était pas top, mais on avait quand même dit, ouais, il y a quand même Cyril qui est devant, mais les autres sont pas dans le top 10. Et là, on a perdu Pierre Verne après... Ouais. Après quasiment 3-4 tours, pas plus. On a perdu Jean-Baptiste Charles, enfin il est encore là, mais. Il est encore là, mais il est assez loin. On a perdu Mickaël Cadeau il y a quelques temps. Ouais. Julien Alavoine qui est toujours en piste. Il est à 8-10 secondes, mais il est dans le milieu du peloton. Comme il est d'habitude, il est à sa place. Et la 39, comme tu le dis, de Jean-Baptiste Charles, qui elle est partie à la faute.
qui les pilotes sont beaucoup partis à la faute aujourd'hui. Oui, sur cette piste de Charlotte, il y a eu, ben, on le voit, hein, on est déjà à 6 drapeaux jaunes après un peu plus de 120 tours, ce qui fait un drapeau jaune tous les 20 tours, sachant qu'on a quand même eu un très long run, enfin, très long run, on a eu un peu plus de 55 tours sous drapeau vert. On a enchaîné les jaunes, pardon. On a enchaîné les jaunes, tout à fait. Alors là, est-ce qu'on va avoir un run un peu plus long sous vert? On a déjà fait 19 tours. On pourrait se retrouver dans une configuration un petit peu comme au début de course, où on va se retrouver avec des longs runs sur la suite de la course. Et il nous reste encore 10 tours, même pas. Hein. Je pense que là, on pourra aller au bout quasiment. Il va pas nous manquer grand-chose. Il va nous rester vraiment qu'un arrêt si ça se termine sous vert. Par contre, j'ai qu'une dizaine de tours hein, depuis la dernière relance. Puisqu'on est au tour 140 et la dernière relance était au 129. Autant pour moi, c'est les pneus des leaders qui ont 20 tours parce qu'ils ne se sont pas arrêtés, tout à fait. Tout à fait. Ça me paraissait beaucoup 15 tours. Ouais. Mais c'est là qu'on va voir la différence peut-être se créer. Avec quelques pilotes. Ouais, on est à 16 tours. Hein. Le premier à avoir des pneus, on va dire, dit neuf, c'est Tony Repussard. Hein. Il y a 5 tours d'écart dans les pneus entre ceux qui se sont arrêtés et ceux qui ne se sont pas arrêtés. Et on rappelle que la voiture de tête a mis seulement 2 pneus sur le dernier ravitaillement. Donc non seulement il n'a que 2 pneus, mais en plus, il ne s'est pas arrêté. Allendale qui est talonné par un Jonathan Berthier déchaîné. Alors d'ici quelques tours si on se retrouve dans le scénario du milieu de course, là, on va voir si Allendale a réussi à apprendre du premier long run sous vert, où il avait fusillé ses pneus plus rapidement que les autres. Oui, on devrait avoir ça d'ici une dizaine de tours. Et après, on l'a vu, hein, une fois qu'il a été dans le paquet... Il a doublé des pilotes, mais il a très peu doublé malgré tout. Je pense que c'est aussi sa première course sur un mile et demi dans de telles conditions. Et ça fait partie de l'apprentissage. Pour une première prestation, c'est quand même, hein. Il est loin d'être ridicule. Il est même plutôt très performant. Oui. Avec une pole position. Exactement. Il a mené une soixantaine de tours, ouais. Avec plusieurs restarts. Donc, plutôt très prometteur. Oh, et Tony Repussard qui vient de toucher le mur. Et Allendale également. Allendale également. Ça a changé de plan, donc j'ai pas vu Allen mal. Et ben nous, mais on était Tony, s'appuyer. On était à bord de la numéro 9 et on a pris un son d'étincelle venant de la voiture devant. Et Eric Laval qui est toujours en piste en 29e place.
Par contre, il a une quarantaine de tours à faire, hein, Éric Laval. Il faut qu'il voie la fin de cette course pour terminer à une 25e place. Éric Laval, qui, pour la petite histoire, a été le coéquipier d'Alan Day il y a quelques années sur les courses virtuelles, puisque ces deux pilotes étaient tous les deux membres de la Vortex, une équipe, une des premières équipes dites, on va dire, e-sport, c'est-à-dire ayant un niveau de compétition leur permettant d'accéder aux courses les plus prestigieuses sur la plateforme e-racing. Ils ont été coéquipiers tous les deux au sein de la Vortex Racing, équipe qui, je crois, existe peut-être encore, mais il y a eu pas mal de pilotes qui sont partis à droite et à gauche, et l'équipe n'est plus présente au niveau où elle a été. On avait notamment dans les rangs de la Vortex Racing également un certain Joël Guez qui désormais roule sous d'autres couleurs à la Red Face Racing, qu'on peut croiser en routier, mais qui a roulé, a traîné ses roues sur les ovales de l'IFRN, des IFRN Series. Allez, on a vu Jacques Crécan au stand en 24e place, Yann Buisson est 23e, il a 13 tours de retard sur Cédric Colléo qui est 22e. 5 tours de retard le séparent de la voiture qui est devant lui, celle de Jean-Baptiste Charles qui, du coup, avec son petit tête à queue, lui, le pointe à 2 tours. Ils sont 3 à être à 2 tours avec Antoine Marc qui est 2 secondes devant lui avec une voiture bien amochée, on l'a vu tout à l'heure, hein, avec ce gros contact dans un incident. Et André Castro qui est revenu à 2 tours. André, il est parti avec une déco et il est revenu à 2 tours. Hein. Il était quand même à 6 tours tout à l'heure. Hein. Il a repris 4 tours en jouant avec les drapeaux jaunes, les arrêts, etc. Attention à la numéro 22. Parce que je crois que il maîtrise plutôt bien la manière de remonter avec les incidents. Mais il était deuxième, je crois, des essais, André Castro. Ah oui, il était deuxième deuxième ligne en qualif. Il devait partir sur la deuxième ligne, je crois. Et oui. Avec son problème de déconnexion, il est parti loin et il s'est retrouvé à 6 tours. Allez, devant lui, on va retrouver Giorgio Maggi à 1 tour. C'est lui qui est en position d'être Lucky Dog. Il est tranquille, il est tout seul à être à 1 tour. Devant lui, par contre, 16 secondes devant, on va retrouver Vincent Bilodel qui n'est pas encore à 1 tour. Ça sera le prochain. Donc il faut que Giorgio arrive à remonter sur Vincent pour être en mesure de conserver cette position de Lucky Dog. 16e, Johan Margot impliqué tout à l'heure dans un incident. On voit une voiture plus que amochée. Il suit à 4 secondes Julien Alavoine, 15e. Pour compléter ce top 15, on a Patrice Langlais qui est juste derrière la 2 de Rodolphe Delage. Rodolphe Delage qui, pour ce soir, fait une belle course. Une voiture un petit peu amochée sur la partie arrière. Mais la 13 est bien placée avec une présence dans le top 15. 12e, Nicolas Delot. Il a 9 dixièmes d'avance sur la numéro 2. Par contre, il est à 6 secondes d'un groupe de 4 voitures qui se termine par la numéro 20 de Yacine Barnac. Devant lui, c'est la 92, la Toyota de Benjamin Truflandier qui est donc dans le top 10. Benjamin Truflandier qui essaie de gagner une position sur Francis Deschi, mais il y a quand même 3 dixièmes qui le séparent. Donc c'est pas forcément très très simple. Devant eux, eh bien, c'est un lapeur. Hein. C'est la voiture de André Castro que l'on a vu tout à l'heure. Anthony Raphaël est 8e avec son numéro 8. On le rappelle qu'il lui aussi ce soir roule sous les couleurs de l'Occitanie Racing. 7e, nous retrouvons Tony Repussard qui était parti très loin sur la grille et qui, un petit peu comme il le fait depuis le début de saison, arrive à récupérer quelques positions très tôt dans la course pour à la fin arriver à jouer aux avant-postes. 6 tours après le troisième quart de la course, c'est Jonathan Berthier qui occupe la 6e place. Il suit de très très près Alan Day avec son numéro 024. Thibaut Leflemme avec le numéro 50
aux couleurs de l'Occitanie Racing. On le rappelle, hein, c'était une course spéciale hors saison, hors championnat. Elle ne marque pas de points pour la saison régulière de l'US Racing et FRN Cup Series. D'où les couleurs spécifiques de la 50 ou la 7 qui est dans l'aperon. Ça rentre au stand. Ça rentre au stand. À 43 tours du drapeau à damier, on n'ira pas au bout. Enfin, on ira au bout justement, mais on ne repassera pas par la voie des stands. Kevin Pommier, 3ème. Il pointe à 6 dixièmes de Gary Dumont. Gary Dumont qui vient de passer la 39 de Jean-Baptiste Charles, qui sont en chasse eh bien, de la numéro 99. Le double champion en titre de l'US Racing et FRN Cup Series. Ouais, il commence à faire la différence là, ça y est, on est sur une fin de run en pneus un peu plus usés. Tout à l'heure, on avait 4 pilotes presque roue dans roue. Et là, Cyril a créé un petit écart. Alors ça serait la première victoire de Cyril hein, sur ce tracé. S'il venait à s'imposer ici. Les pilotes qui ont le plus roulé sur ce tracé sont Jonathan Berti et Simon Crochard avec 9 courses, tous les deux ici. Par contre, tous les deux se sont imposés au moins une fois. Avec une victoire pour Jonathan Berti, on l'a dit tout à l'heure, et 4 victoires ici. Pour Simon en US Racing et FRN Cup Series. Donc le champion de Charlotte reste quand même Simon Crochard avec 4 victoires ici, donc en 9 participations. Et s'il vous plaît, 8 top 5. Alors les écarts se sont un petit peu creusés sur la piste. Francis Deschilly termine le top 10 avec une 10e place pour l'instant. La Ford jaune est toujours bien accrochée à ce top 10. Une voiture, si je ne me trompe pas, quasiment intacte. Il y a peut-être une zone de contact à l'arrière droit. Ouais, on voit la tôle un peu pliée sur le porte-à-faux arrière droit. Mais les dégâts semblent être très très légers pour la 43 qui... ici, il va même prendre le dessus sur Tony Repussard qui... Que se passe-t-il pour Tony? Est-ce que la 28 s'arrêterait dans la voie des stands? Oui, la 9 aussi. Non, la 28, elle est en piste. Ouais, mais elle va pas s'arrêter, non? Non. Non. Oh, la rentrée des stands de Jean-Baptiste. Il s'est mis en travers. Mais c'est passé. On va essayer de revoir cette entrée au stand. Acrobatique. Tout trou bloqué, mais ça passe pour Jean-Baptiste. Allez, ça repart descendre.
On voit que dans cette sortie de stand, faut vraiment jouer avec l'accélérateur pour venir lécher cette ligne bleue et reprendre sa place sur l'ovale. On voit derrière là, c'est Nicolas Delot qui arrive. Yacine Barnac qui rentre. Et Cyril qui ressort. Ah, il est passé trop vite. Et du coup, on va retrouver Allende aux commandes. Alors, est-ce qu'il va rester ou est-ce qu'il va rentrer? Il reste en piste. Là, peut-être qu'il va faire les quelques tours de trop qui pourraient le sortir du top 10. J'en ai peur. Et Cyril est revenu en piste en 17ème place, à deux tours de la voiture de tête, hein, quand même. Ça a réparé pour Cyril? Ben. Ça a réparé? Deux tours, quoi, la course perdue, parce que Julien Lavoine n'est qu'à un tour. Il a 54 secondes d'arrêt dans la voie des stands. Tout comme. Il a réparé Cyril, c'est pas possible. Alors, je vais essayer de remonter, voir ce qu'a fait Cyril. Est-ce qu'il aurait pas tapé à un moment donné, tu vois? Ouais, c'est un peu loin pour moi, mais oui, je pense qu'il y a eu un pépin pour Cyril. Puisque désormais... Effectivement, il est resté une éternité et demie dans les stands. 54 secondes dans la voie des stands, hein. On va pouvoir le voir. 54 secondes dans la voie des stands pour Cyril. Bah, sur les 5-6 derniers tours, il n'y a pas de contact. Ah, est-ce qu'il va être en mesure de revenir? Ça me semble compliqué quand même. Hein. Parce qu'il est à deux tours de. Il est à deux tours de Gary tout simplement. Hein. C'est Gary aujourd'hui qui. Eh oui. Qui mène la course là. Non, j'ai pas de contact sur les 10 derniers tours. 10-15 derniers tours, donc je ne sais pas. Ouais, peut-être qu'on aura l'information un petit peu plus tard dans la course. Peut-être que le crew chief a l'information. Patrice Langlais qui sort des stands. Et il nous reste 28 tours à parcourir. Allende, 11e. Il va avoir une trentaine de tours à faire avec ses pneus. Allez, il passe en 9e place. Ils sont deux encore à ne pas s'être arrêtés. Benjamin Truflandier. Et Nicolas Delot. Piste claire pour Gary Dumont. Oh, ça touche! Il a touché le mur extérieur ou... Je n'étais pas avec Gary Dumont, je vais de ce pas. Dans la ligne des stands, sur le deuxième coude. Gary Dumont... je retrouve son numéro. 51. Ouais, 51. Dans le deuxième coude? Dans le deuxième coude, en sortie, il vient taper le mur. Ah oui, oui, oui. Merci.
Il est talonné par Kevin Pommier. Thibaut Leflemme est un peu plus loin. 4 secondes 3. Le pit's ouvert a fait mal quand même. Le pit's ouvert a un peu disloqué le peloton de tête. Oui. Et je pense que ils vont terminer à 2. Attention, la 90 là qui navigue dans le peloton. On a perdu la 28 de Tony Repussard. Il a dû avoir un pépin. Il s'est déconnecté manuellement, m'indique le jeu. Ah, donc ça sent le. Tu veux que j'aille voir? Oh, pas spécialement. Mais... Ah, bah il est sur le chat avec nous. Abandon. Problème technique pour Tony. Ah. Merci Tony pour l'information. Problème technique. Et d'ailleurs, c'est ce qui a mis JB en au tas. Merci pour les explications. Est-ce que nos deux collègues, là, Benjamin Truflandier et Nicolas Delot, essaieraient de pousser tout ce qu'ils peuvent sur le train de pneus? Alors, je pense. Et espérer un drapeau jaune. Au hasard. Ouais, oui, bah là. Il n'y a plus que ça de toute façon. Hein. C'est l'opération de la dernière chance, quoi. Quand tu vois les écarts et. Par contre, ils ont 53 tours dans les pneus. Faudrait pas que ça soit vert jusqu'au bout parce que ça va leur coûter très cher. Parce qu'ils ont pas assez d'essence pour aller au bout, là, je pense. Ah non, 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 il faut absolument que ça rentre. Mais quand tu vois le temps qu'ils perdent. Tour après tour. Je suis en train de regarder là encore sur le prochain tour. Enfin, ah, sur c'est le une tour seconde 5. Hein. Oui, hein, j'en ai peur. On perd une seconde 5 au tour pour Benjamin Truflandier. Une Toyota en tête, messieurs. La Toyota Supra 92. Emmenée par Benjamin Truflandier. Qui n'est dans aucune équipe. Hein. Cette année, il est en wildcard. Bien, mène cette course. 12 tours menés pour la 92. Cyril Nussbaum a mené 100 tours. Il aura donc le privilège d'avoir mené la moitié de cette. Enfin, le plus grand nombre de tours dans cette course. Il n'aura pas de points bonus, puisqu'on le rappelle. Cette course ne rapporte aucun point pour le championnat. Hein. C'est un événement indépendant. Et 3 secondes désormais. C'est par... Benjamin Truflandier de Gary Dumont, Kevin Pommier et une demi-seconde derrière. Regardez, ça revient comme des boulets de canon. Oui, oui, c'est. Son temps en tête à Benjamin est compté. Clairement. Et il rentre! Il rentre dans la voie des stands, Benjamin! La Toyota qui a essayé d'aller au bout de ce qu'elle pouvait. 57 tours bouclés par la 92. Et toutes les chances de victoire désormais s'envolent avec ce passage par la voie des stands sous drapeau vert. Jean-Baptiste Charles là qui essaie de rallier l'arrivée comme il peut.
Et la numéro donc 51 qui mène avec 9 petits dixièmes d'avance. On a plus 10 pilotes hein, dans le tour. Le dernier étant Julien Lavoine. Ouais. Julien Lavoine qui du coup, on le disait tout à l'heure, il est au milieu du peloton, il est à sa place, etc. Mais voiture intacte, de ce que je vois, quasiment. Peut-être une aile avant gauche un peu tordue, ouais, un capot un petit peu froissé, mais les contacts ont été très légers comparés à certains. Et du coup, il est dans le tour du leader, à 29 secondes de la voiture de tête. On devrait l'avoir derrière la voiture de tête. Et seul pilote race clutch dans le top 10. Et seul pilote race clutch dans le top 10. Alors Cyril pointe à 10 secondes. Je sais pas si Cyril arrivera à accéder au top 10. Ah, c'est... 10 secondes en 14 tours. Bah, le top 10, potentiellement, il est à 2 secondes 6, hein, puisque c'est Rodolphe Delage. Je pense que ça me semble accessible pour Cyril. Pour moi, il devrait être en mesure, en 25 tours, de remonter sur les voitures qui sont devant lui. Ou entre Yacine Marnac et Alain Day, c'était chaud. Ça a failli toucher. On va essayer de revoir ce qui s'est passé. Virage 2 au tour 187. Non, c'était ici. Il se jette à l'intérieur. Ouais, ça a touché, je pense même. Ça a touché, ouais, mais c'est bien géré par les deux pilotes, à mon avis. Je voyais ça de loin en aérien, si tu veux. Mais je pense que ça a touché, parce que je crois voir un léger mouvement de caisse pour la voiture de... Oh, bah là, regarde, ils sont côte à côte, portière contre portière. Ah, mais je suis plus avec eux, j'ai changé. Et Alain Day dans le mur. Alain Day dans le mur. Voiture détruite sur le toit. Aïe, aïe, aïe. Voiture complètement détruite pour Alain Day. Alors là, par contre, il faut revoir ce qui s'est passé. C'était chaud depuis quelques temps avec eux. Sortie du virage 4. Oh, c'était déjà chaud dans le 3. Et là, il lui attrape l'arrière, gauche, droite. Et je pense qu'il y a un bug sur le circuit. Parce que regarde comment il se plante dans le mur. Là, il prend la même dans une voiture. Il prend une des selles à plusieurs dizaines de G, là. Ah oui, il est arrêté, quoi. Il se fait arrêter par le mur. Exactement. C'est là que t'es content que le simulateur et le siège... Ne bougent pas. Ne bougent pas. Par contre, c'est dommage pour c'est Benjamin, quoi. Parce qu'il manquait pas grand-chose, et pour Alain Day aussi, parce que la voiture est morte, et ça n'ira pas beaucoup plus loin. Ça n'ira pas beaucoup plus loin, et il était dans le top 5. Ouais, et il lui manquait pas grand-chose hein, pour récupérer la voiture sur le premier coup de raquette. Par contre, après, c'était un peu plus compliqué. Et on n'est plus qu'à une neutralisation du record. Et on n'est plus qu'à une neutralisation du record, puisque nous avons désormais 7 drapeaux jaunes. Et on voit la 24 là, qui est complètement fumante. On ne la reverra pas en piste, hein, vu l'état du moteur. Ah, et bon. Le temps qu'il reste, il y a au moins 3 quarts d'heure de réparation. La voiture ne reviendra pas en piste. La numéro 024 qui terminera au-delà de la 20e place. Ça plonge dans les stands. Ouais, tu ne dois pas être en direct. Ah non, pardon, je suis plus en direct. Ça ressort des stands. Pardon. Par contre, je crois que là, ça freiner dehors. Qu'est-ce qui se passe? Anthony Raphaël devant Jonathan Berthier. Ah oui, mais il y a du monde. Ah, Yann Buisson qui nous dit qu'il a descendu le moteur pendant le run. C'est vrai, la numéro 3 est dans la voie des stands. La 39 également. On a beaucoup de monde.
sur le carreau, là, dites donc. On va se retrouver avec moins de 20 voitures. On va perdre la moitié du peloton, presque. Oui. Alors, par contre, ça ne va nous resserrer les rangs pour ce finish. Je pense que Cyril va pouvoir... Récupérer son tour de retard déjà. Et est-ce qu'il va revenir... Il va être dixième, donc potentiellement, avec... il y a 9 tours à faire, ouais, ça va être quand même compliqué. 10 tours, 10 voitures, ça me paraît... Il a des pneus usés, ouais, ça... Alors, il pourra dire merci pour revenir dans le tour, mais il y aura peut-être une ou deux places à aller chercher, mais pas beaucoup plus. Ça va se jouer entre la 51, la 50... La 91, la 8 et la 9. Et par contre, on notera quand même la très belle performance de André Castro. Parce que André Castro, il est 16e à un tour. Il a réussi à récupérer 5 tours sur ses 7 drapeaux jaunes. Tu me diras ce que t'en penses, mais je trouve qu'il y a quand même une sacrée performance. Sans être Lucky Dog. Sans jamais être Lucky Dog, hein. On est d'accord. C'est une très belle performance. Il y avait un tour de trop. On peut la refaire, j'étais pas prêt. Ouais, non, parce que là, on est déjà limite. Tiens. Il nous reste 8 tours à parcourir. Hein. C'est 5 minutes. Exactement. Timing très chaud. Yacine Barnac donc qui a déclenché ce drapeau jaune avec Allende en enlevant la numéro 24. On le rappelle, le petit contact sur le porte-à-faux arrière de la Chevrolet aux couleurs Monster. Et le pilote a tenté de garder le contrôle du véhicule, mais... Il n'a pas réussi à garder son bolide sur la trajectoire. Hein. Ils étaient quasiment plein gaz. La Chevrolet qui est allée se planter dans le mur. Moteur détruit pour Alon. Et on va se retrouver avec 14 voitures dans le tour. Giorgio Maggi est le dernier à être dans le tour. Nicolas Delorme, lui, est le premier à ne plus être dans le tour. C'est la voiture numéro 14 que vous voyez tout au bout du peloton. Voiture marron. Et on va repartir pour 7 tours. 7 tours intenses, messieurs. Et mesdames, si certaines regardent, c'est relativement rare, mais après tout, il y en a peut-être aussi. Il y en a au moins une. Le crew chief de la 99. Donc, mesdames et messieurs, allez, la safety car qui s'efface et Gary qui donne le ton. Pareil, il met les gaz très tôt. Kevin Pommier qui va essayer d'en profiter. Ça passe à l'intérieur. On a quand même, en temps normal, la 4 voitures de la TGP devant. Hein. Oui. Deux sont badgés Occitanie aujourd'hui, puisqu'on le rappelle, la course est hors championnat, ce qui a permis... à la 8 et la 50 de rouler sous les couleurs de l'Occitanie. Mais nous avons bien en temps normal dans 3 pilotes TGP. Je me suis trompé 2 fois. La 91, c'est la Vaillante. Ça veut pas rentrer. Nous avons bien 3 pilotes TGP et 1 pilote Vaillante dans le top 4 et 2 pilotes Vaillantes même dans le top 5. Puisque Jonathan Berthier est historiquement un pilote Vaillante, même si je crois qu'il est inscrit en wildcard cette saison. Oui, parce qu'il n'était pas sûr de faire toute l'année. Ouais, exactement. Il l'a expliqué en début de saison. Et donc, nous avons 2 Vaillantes et 3 TGP. Thibaut Leflemme qui fait le meilleur tour. Thibaut Leflemme. On a 4 qui se détachent pour la victoire. 4 tours de la fin. Ouais. Et encore, Anthony Raphaël à 6 dixièmes, ça va commencer à être dur.
Et peut-être la fatigue qui commence à se faire sentir pour Anthony. Bah, c'est rare, hein, une course de 200 tours sur un ovale d'un mile et demi. Bah, j'ai regardé, pour Charlotte, c'est un classique. C'est, oui, pour Charlotte, mais il n'y a qu'à Charlotte. Parce... Ouais, elle est longue, cette course, elle est longue. Et oui, dans la vraie vie... Enfin, après, on va encore me taper dessus parce que j'ai dit vraie vie. Mais... Dans les courses physiques. Dans les courses physiques, c'est 400. Hein. Meilleur tour encore pour Thibault Leflemme. Oui, et là, Gary, il est sous la pression de Kevin Thibault. Il y a 2 dixièmes entre les trois. Oui, parce qu'elle, on sait, mais aujourd'hui elle roule sous les couleurs de l'Occitanie, mais en... si on remet ça dans un cadre du S Racing et FRN Cup Series, elles sont à la TGP, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui elle roule sous la bannière de l'Occitanie Racing. Par contre là, il a tenté l'extérieur, Thibaut, il s'est ouvert une porte peut-être. À l'intérieur, et c'est surtout, ça a donné de l'air à Gary. Ouais, mais là il va être bien placé sur la ligne intérieure. Et Gary, il va avoir 2 tours à faire. Même pas, c'est le dernier tour. Même pas, ouais. On est dans le dernier tour. Va-t-il falloir attendre une course hors saison pour avoir un pronostic de bon depuis bien longtemps? Ah, t'as eu de la chance. on peut dire ça. Et c'est fait. Victoire pour la numéro 51 de Gary Dumont, qui n'aura même pas le temps d'accéder à la Victory Lane. Un résultat surprenant. Gary Dumont qui s'impose donc avec combien de tours menés pour Gary? Ouais. Pas tant que ça, je pense. Hein. Très peu. Il a mené 18 tours, Gary Dumont. 18 tours menés. Ouais, à peine 10% de la course. Ouais, à peine. Gary qui impose eh bien, la numéro 51 ici sur le tracé de Charlotte. Et je vous propose eh bien, de se retrouver très rapidement pour l'interview sur la Victory Lane avec le vainqueur. Ne bougez pas, on revient de suite.
Eh bien, on se retrouve sur la Victory Lane avec le vainqueur de cet événement spécial. Eh bien, nous sommes avec Gary Dumont et son numéro 51. Salut Gary. Salut à vous, salut tout le monde. Salut Gary, bravo. Merci, merci. Bravo pour cette très belle victoire. 18 tours menés ce soir. Il y avait quelques invités de la NASCAR Whelen Euro Series, hein, comme on l'a vu. Une pole position réalisée par Alon Day. Tu n'es pas parti sur la première ligne. Par contre, tu as tout le temps été aux avant-postes. Raconte-nous un petit peu comment tu as vécu cette course avec ces invités. Bah, dans mon optique de course, je suis parti d'un esprit tranquille. J'ai fait ma petite course. Et puis à un moment donné, Jacques m'a dit mets un peu de frein dans les virages. J'ai mis un peu de frein et là j'ai commencé à m'envoler. Je sais pas, ça fait toute la différence. Mais sinon, ouais, c'était sympa. Il y avait des belles bastons. C'est assez serré avec Cyril, hein, comme d'habitude. On avait le numéro 024, Brandon De James, qui était vraiment rapide aussi. J'étais vraiment surpris. Ah, c'est Alon Day, hein, pour le rappeler. Ah, voilà. Ouais, super rapide au début du run, j'étais surpris. Après j'ai plus vu personne d'autre, donc je pourrais pas vous parler trop des pilotes NWS. Mais sinon ouais, c'était sympa, un peu stressant le final, là. J'étais un petit peu déçu que ça se termine sous jaune, parce que j'étais vraiment bien pour finir le run sous vert. On a vu à la fin Kevin et Thibaut qui étaient vraiment très proches. Ils ont perdu un peu de temps en se battant entre eux pour récupérer la deuxième place. S'il n'y avait pas eu cette petite altercation là entre les deux, tu penses que tu aurais tenu cette pression? Tu étais vraiment confiant pour arriver à garder le lead jusqu'au bout? C'est pour ça que moi j'étais super content si ça serait terminé sous vert, quoi, parce que là j'avais la victoire assurée. Mais je sais très bien que sur les short runs, c'est pas ma tasse de thé. Et je savais très bien que Kevin, voire même Thibaut, ils auraient pu me passer, pas facilement, j'aurais tout fait pour gagner ma place, mais ils avaient leur chance, hein, ils avaient beaucoup de chance même. Mais bah, ils se sont un peu gênés, quoi, du coup, ouais, j'en ai profité. D'accord. Si on met cette course et qu'on regarde un petit peu les pilotes présents aux avant-postes, si on essaie de se projeter un peu plus loin dans la saison... À Charlotte pour l'US Racing et Ferrari Cup Series, on voit qu'on a quand même pas mal de pilotes qui d'habitude sont sous bannière TGP ou SC Motorsport. Alors aujourd'hui, on le rappelle, la 8 et la 50 roulaient pour l'Occitanie puisque cette course est hors championnat, mais c'est plutôt bon pour la saison régulière pour les pilotes de la TGP. Ils sont performants ici. Ouais, bah après, je pense que Thibaut l'a encore démontré la semaine dernière. Hein. Sur la plupart des circuits, il y a moyen de faire quelque chose. Après, il y a toujours les pilotes de l'ARC qui sont là, quoi. Notamment Cyril, hein, qui écrase un petit peu la concurrence. Ah, mais je lui apprendrai à faire un freinage sur l'entrée des pits à l'occasion. ça sent la petite claque derrière la tête. La grosse claque. Il avait mal réglé le limiteur. Ah, c'est ça. Des questions, Geoffroy, peut-être? Bah, ma question, c'était surtout de savoir comment il se sentait après cette course en vue de Charlotte dans quelques semaines, mais il y a déjà partiellement répondu. Donc non, pas plus de questions que ça. Il a été complet, il nous a fait une super course. C'est vrai qu'il a ferraillé devant, donc il n'a vu qu'Alon Day, donc il peut pas forcément se souvenir des autres, mais en tout cas bravo, belle prestation d'ensemble. Tu tires les marrons du feu, mais t'étais là, t'étais devant, donc bien joué encore une fois. Charlotte te réussit, donc vivement la fin du mois de mai pour toi. Bah oui, je sais même pas si Charlotte fait partie de mon calendrier, quoi, mais parce que tu ne peux pas faire toutes les courses. Bah oui, je peux pas faire toutes les courses, et puis bon, en ce moment l'ovale c'est pas ma priorité, donc je suis là un petit peu dès que je peux. Et j'avais une question, tu voulais pas faire un tour supplémentaire pour faire un vrai burn? Tu voulais vraiment éclater la voiture? Non, mais en fait je voulais passer la ligne en travers, mais j'ai perdu le contrôle, j'étais tapé le mur en fait. D'accord. J'ai pas encore l'expérience de JB et les coups. Ouais, t'as essayé de faire le petit rappel, mais bon, c'est une figure de style... un peu plus compliqué à faire.
Bon, en tout cas, félicitations une nouvelle fois pour cette belle victoire. Et puis, bah, rendez-vous donc dès la semaine prochaine pour la suite de la saison régulière. Et puis, en espérant te retrouver peut-être une autre fois sur la Victory Lane, peut-être ce coup-ci dans le cadre du championnat. Ouais, bah, j'espère. Hein. J'aurais préféré une course de championnat quand même. Mais c'est à prendre quand même. Je suis content. Ça fait plaisir. Ouais, ta dernière victoire remonte à quand? Bah, je pense que c'est Charlotte, mais il y a 2 ans. Je pense que c'est Charlotte, mais il y a 2 ans, ouais, c'était la 14e course de la saison. En 2018, j'en avais eu 2, Chicagoland et Charlotte. Et depuis, plus rien. Bon, eh bien, quelque part, c'est un circuit qui te sourit. Ouais, c'est même incroyable. Des fois, là, j'ai du mal à m'en remettre parce que ce circuit-là, il y a toujours quelque chose qui fait que je me retrouve en tête sur la fin, quoi. Il y a 2 ans, c'était Simon qui était un petit peu loupé, sorti de T4. Et là, c'est Cyril qui se loupe sur les pits, hein, quoi. Parce que, bon, on va pas se mentir, hein. Si Cyril aurait fait un bon pit, j'aurais jamais. Mais il a fait un bon pit, c'est juste qu'il a roulé. Ouais. On va dire ça. Bon, merci à toi, Gary. Et puis, ben, rendez-vous la semaine prochaine, mercredi. Comme d'habitude, on va revenir sur un créneau habituel pour la NASCAR avec les FRN. Ça marche, ben, merci à vous. Et à merci bientôt. Merci bien. À bientôt. Salut, Gary. Ciao. Bon, et bien cette course avec les pilotes de la NASCAR Wheel & Euro Series et les pilotes de l'US Racing IFRN Cup Series 2020, et bien on a tenu toutes ses promesses. On a quand même vu quelques pilotes de la Wheel & Series qui se débrouillent quand même plutôt bien. Hein. Oui, qui ont un sacré coup de volant. Et c'était une course fort intéressante avec une grille quasi complète. Hein. On avait parlé au début de course, 37-38 pilotes. C'est l'un des records hors Daytona en ouverture de saison, je crois. Donc, ouais. une très belle course. On peut regarder peut-être le... Pardon, je te coupe, le résultat de la course. Oui, le résultat, si tu veux. Donc, bah, Gary qui s'impose devant Thibaut Leflemme. Troisième, Kevin Pommier. Quatrième, Anthony Raphaël. Cinquième, Jonathan Berthier. Francis de Chilly, sixième devant Yacine Barnac, Julien Lavoine, Benjamin Truflandier et Cyril Nussbaum pour le top 10. On rappelle que la 8 et la 50 ne sont pas TGP Motorsport, comme vous pouvez le voir, hein. Ça, ce sont les données de la saison régulière. Les voitures sont bien ce soir sous la bannière de l'Occitanie Racing. Effectivement. Viennent ensuite Rodolphe Delage, Patrice Langlais, Giorgio Maggi et Johan Margot pour les pilotes dans le tour du leader. 15e, Nicolas Delos à un tour. 16e, André Castro à un tour. Mais on rappelle quand même qu'il est parti de l'attente avec 6 tours de retard. Vincent Bilodel termine 17e à 2 tours, tout comme Antoine-Marc 18e. Cédric Colléo est à 8 tours en 19e position. Jean-Baptiste Charles 20e avec 11 tours de retard. Et après, Alon Day termine 21e avec 12 tours de retard et 65 tours menés en début de course. 67, moi j'ai. 67, pardon. Tony Repussard est à 31 tours. Yann Buisson, 46 tours. Après, bon, ça devient un petit peu anecdotique. Jacques Récan, Gilles Châtelain, Pascal Dupas, Alessandro Brigatti, Michael Cado, Éric Laval, Bruno Aguirre, Vincent Hamet, Loris Esmans, Ben Créanor, Ulysse Delso, Jean-Philippe Chrétien, Advet Deodard, Joël Van Pratt et bon dernier, Pierre Verne. Et bien voilà pour le résultat de cet événement spécial organisé, on le rappelle, en partenariat avec la NASCAR Wheel & Euro Series. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ce petit événement, là, organisé un petit peu en dernière minute, vous a permis de découvrir soit la NASCAR Wheel & Euro Series, soit l'US Racing IFRN Cup Series. Puisque, je rappelle, on avait un plateau un petit peu mixte sur cette course. Si vous voulez nous retrouver, la prochaine course de la saison régulière, elle sera le 1er avril à 21h. Ça sera la reprise donc de la saison régulière. N'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire dans les commentaires de la vidéo sur la chaîne Paddock TV. Vous avez tous les liens dans le bas dans la description de la vidéo. Et puis ben, le petit pouce bleu hein, qui nous aidera. Et puis on va retrouver comme d'habitude le petit résumé qui va bien sur usracing.com avec l'interview
d'après-course que nous allons faire juste après ce live. Et nous allons interviewer l'un des pilotes qui était présent ce soir. Nous aurons avec nous le pilote de la numéro 22, à savoir André Castro. Interview qui se déroulera en anglais, mais que nous traduirons en direct en français. Donc vous pourrez la suivre dans les deux langues si vous le souhaitez. Voilà. Merci Geoffroy d'avoir été une nouvelle fois dans le studio Paddock TV pour pouvoir commenter cette superbe course organisée par IFRN avec la NASCAR Wheeler Euro Series. Bah écoute, c'était encore une fois avec un grand plaisir et puis on se retrouve mercredi, Adrien, pour la suite de la saison du US Racing IFRN Cup Series. On sera encore une fois sur un ovale d'un mile et demi. Cette fois, ce sera le Texas. Allez, bonne soirée à tous et rendez-vous dès mercredi pour l'US Racing FRN Cup Series à 21h au Texas. Sinon, ça sera bien demain, nous serons à Sebring pour une course d'endurance de 6h qui, elle, sera sur Air Factor 2. Allez, bonne soirée à tous et à la prochaine sur Paddock TV. Bye bye. Ciao.